Et vous savez quand même que avant que Post le dise, parce qu'après il va dire que je suis trop Overwatch, et ben maintenant sur Overwatch les persos nouveaux ils sont gratuits. Ils sont gratuits. Ouais, j'ai vu. Il faut vraiment que je monte ici. Oui, montez-moi. Super. Allez. Luti, t'es tout bas. Bah oui, il faut le remonter. Il a changé de micro, c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Non, je l'ai mis à fond cette fois. Et ça, je croyais pas le faire un jour. Hein. Mais comme ça, je me dis, ça vous casse moins les oreilles au final. Wingo, c'est pas mal, ouais. Pseudo. Wingo. 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 C'est Wingo. Wingo Béar. Oui, il y a eu des. Il faut leur dire d'être sur. USAS, normalement, c'est par défaut. Qui ont mal tourné, ouais, tout à fait. Mais du coup, on est que 9 par contre. Ah ouais. Ouais, ouais, on est que 9. Justement, on était en train d'en parler là vite fait sur Discord. J'ai peut-être leak le code en détente. Ah, c'est Maeshi qui est pas là. Ouais. Ouais, c'est Maeshi qui a une extinction de voix en. Ah mince, ouais, c'est un peu embêtant pour ce jeu là. Yo. Après, est-ce qu'il y a pas des streamers qu'on peut les harceler bien sûr. Si, justement, il y a Flonflon, il y a Mintos, il y a MV, il y a Maudi, il y a des gens, hein. Et il y a du peuple en fait. Tu veux proposer par qui en premier? Il y a du big peuple. On commence par Maudi ou. On peut commencer par Maudi. Après, Maudi, elle est dans notre con, elle aurait répondu, hein, je pense. C'est vrai. MV, il a rendez-vous avec la droite. Ouais, il a rendez-vous avec la droite, apparemment. Je sais pas ce que c'est. Très bien. La phrase est. Moi, je sais que. Alors, Momo est pas là, dommage, mais c'est vrai que Momo est très chaud, il aime trop le jeu. Ouais, il fait des sessions avec les vieux gars. Bah ouais, il en fait toutes les semaines des sessions. Flonflon ? Ah ouais. Non, Momo. Ah, Momo ? Moment, ah ouais, moment, mais moment, là, moment, j'ai beaucoup de mal avec Moment pour le coup. Ah mince, oh. Je l'ambiance. J'aurais trop kiffé qu'il y a un mec qui dise ah bah tiens, maintenant que tu le dis, moi aussi, tu sais, genre c'est ce moment. Justement, j'ai voulu te pêcher un petit truc. Tu sais qu'il arrive tout le temps ce moment gênant où tu craches sur quelqu'un et l'autre qui dit non, mais je déconne. Compréhensible, les gens disent. Non mais c'est vraiment un petit connard quoi. Enfin bref, je veux pas abuser non plus, mais moment j'ai beaucoup de mal avec. C'est pas vrai, je m'entends si comme ça. Est-ce qu'on lance un œuf et on balance une bouteille à la mer avec notre compte le plus fort? Vous avez déjà envoyé un message ou pas? Vous avez déjà envoyé un message de votre côté ou pas vous? Moi j'ai rien envoyé perso. Mintos il va aller manger, MV il a rendez avec nous. Et sinon il y a peut-être. Alors ceux qui sont sur Dragon's Dogma, à mon avis, ils vont jouer à ça. C'est sorti à midi donc les embêtez pas. Ça va Bitel? J'imagine. Salut, trop. Ça va. Ah bah les gars, je stop Dragon's Dogma là, on va aller sur ça fait un peu de le jeu vient de sortir, c'est une exclu et tout là. Salut Bitel. Yo Bitel. Salut Bitel. Salut Bitel. Excusez-moi, j'avais un souci dans mon casque qui me. Du coup, j'ai pas écouté. J'ai écouté à moitié, j'ai entendu qu'on pouvait se détransformer tout le bazar, mais. Oh, il y a Gob GG. Ah oui, c'est chaud, let's go. Ah, Gobinours, ça peut être pas mal, ouais. Gobinours, c'est pas désagréable plus, de jouer il avec lui, même si... C'est vrai. Ça, c'est après, moi, la dernière fois, je lui ai proposé, il a dit « Non, mec, je dois jouer, je suis impurant, donc... » Oui, c'est vrai, mais là, il est sur Project Zombie, en plus. À Valorant ? Ah non. Ça va, franchement. Ça va, s'il est sur Project, c'est bon, c'est même pas... Oui, sauf pour ça, il va dire « Non, les gars, désolé, Project Zombie, c'est mieux. » Attends, je... Ouais, mais non, mais en fait, ça se fait pas trop... En vrai, ça se fait pas trop, non, parce que pour les gens qui le suivent et tout, t'es en mode bon, bah moi j'étais là. Ah, ils ont peut-être envie de voir Project Zombie, quoi. Bah, peut-être. Mais on s'en fout. Attends. De Project Zombie. Bah, c'est nous qui décidons. Autant lui poser la question, comme ça il décide. Voilà. La question. Attends, il répond. Quoi, le volume de Tsuna est si fort? Ouais, j'ai baissé très fortement. J'allais dire, ouais, Tsuna est donc très. Attendez, alors attendez, je peux me baisser si tout le monde. J'ai là, perdu là, un dixième de mon ouïe. Ouais, moi aussi, Tsuna, j'ai perdu un tapon là. Il a failli faire un malaise, vraiment. Je suis en train de faire un malaise vagal là. Si jamais tu rajoutes les vandales dans le jeu, tu mets la voix de Tsuna quand tu tires. Sinon, il y a peut-être KO aussi, je sais pas. Ah oui, KO bah oui, avec plaise. Oh non, mais oh putain, KO. Ah, chier tout le temps. Mais oui, mais c'est ça qu'on aime chez KO. Allô. Oui, allô. Là, ça va. Ah oui, Tsuna, attends, je te remonte, Tsuna. Allez, on se remonte. Écoutez-moi. C'est parfait, là, c'est parfait. Mais elle joue à Teamfight Tactique en plus, un jeu temporaire. Oui, un jeu temporaire. Mais dites-vous qu'elle peut jouer à TFT en même temps que de jouer à Lican, que ça changera rien. C'est réel, c'est l'avantage. Dis le mec qui a fait une semaine de PBE, hein, mais bon. Bah, en vrai, si elle est en partie, elle peut finir sa partie, peut-être nous rejoindre. Bah, je sais pas, il faut lui demander.
Bah on peut. Attends, déjà, les bouteilles ont été lancées. Les bouteilles ont été lancées. Ah, vous avez lancé les bouteilles, vous? Non, j'ai rien lancé du tout. J'ai su... ah ouais, je viens de vous suggérer. J'ai lancé une bouteille à Link, mais il est en stream, donc je pense qu'il dira don, mais on sait jamais. Ouais, je pense que... Moi, j'apprécie pas mal le, ouais, le personnage. Moi, j'adore Link aussi. Putain, c'était sûr que Gob, il allait dire non. Putain, je le déteste. On peut permaban Gob de Lican ou pas? On peut tous le perma, je pense. Ouais, très bonne idée. Ah, parce qu'il a pris la décision de pas venir jouer avec nous, du coup. Ouais, en fait, il a pris la décision de ne pas venir jouer avec nous. Ça me termine comme on retourne le truc. La décision a été prise de sa part. Ah, il a dit qu'il y avait des gens qui l'aimaient pas. D'accord. Il nous a ouais, 16h, elle a une sponsor FF. C'est pas possible. Ah, d'accord, mince. Oh, bah. C'est pas possible. Moi, je traite pas avec ce genre de personne. Bizarre. L'argent avant les amis, on voit les valeurs de KO. Je m'en dirai. Allez. Oh non, je préfère manger que jouer avec des amis. Enfin bref, ça me dit. Je préfère payer ses employés plutôt que jouer avec ses amis. Super. C'est vrai. Très déçu quand même. Ce sont les gens qui créent de l'emploi aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Des gens qui créent de l'emploi. Aïe aïe aïe. Ah, je te jure. Bonjour. Bah écoutez, on pourra rechecker à la prochaine, hein, si vous voulez. Mais là, c'est ça que vous voulez dire, quoi. Vous avez envoyé la bouteille dans la gueule de Flonflon ou pas? Non. Pas encore, non. Moi. On a dit qu'on allait faire. Attendez, tu veux pas le faire, toi? Si, si, je lui envoie la bouteille dans la gueule, là. C'est parti. Salut Flonflon. Salut Flonflon, j'adore ton contenu. Non, mais. En plus, il regarde. Oh là là, non mais regarde Undo Stress. Oui mais justement bah, il est en réact là. Ça fait 20 ans qu'on regarde Undo Stress, c'est bon. T'aurais-tu dispo pour venir jouer à Lican avec un groupe de personnes amicales? Il est en réact, à l'aide. On peut faire des petites chorégraphies s'il veut. Attendez, parce que moi je veux voir la réaction de Flonflon du coup. Ouais, c'est attendu. On va react à un react. Il répond, mec. Merde, il répond, je vois pas. Attends, mais t'as envoyé le message dans son stream? Enfin, sur son chat? Il écoute la réponse, je pense. Ah, il sait pas ce que c'est. Ah non. Il connaît pas. Ah non. Non, c'est pas grave, lui dis pas. Il connaît pas, laisse. Trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard. Oh non. Alors, est-ce que c'est trop tard? Non. Oh non, non, pas un débutant, c'est compliqué. Non. Vous allez devoir tous écouter les explications du jeu, non. Non, je suis désolé. Continue ton contenu. Continue. Eh ben, très bien ce que tu fais, c'est super. C'est horrible. C'est vraiment c'est trop grave de faire du hijack comme ça. Vraiment, c'est trop grave. Que vous pensez, vous voulez que je l'aide tout de suite, non? Horrible. Non, pardon. Continue ta vie et ton contenu tranquille, t'inquiète. Non, pardon. Oublie-moi, efface mon numéro. Et vraiment, la prise d'otage était incroyable. Vraiment, c'est terrifiant. Et il sait pas quoi faire en plus à chaque fois. Il est là, il est en mode. Attends, je sais pas. Ah. Non mais c'est pas grave, go game à 9 et on verra. Ouais, on va voir. Suspense dans Undo Stress, qu'est-ce qu'il raconte? Vous savez, la vie est faite. Suspense carrément. D'ailleurs, ça me fait penser. Oh ben, c'était. Oh putain. Brutal. Salut. J'entends Wingo, mais je le vois pas. Wingo? Ok. Je peux pas sauter? Ah non, je suis vraiment bloquée là. Mince, j'avais très envie de sauter par-dessus cette petite charrette. Bon, mesdames et messieurs. Ah. Bonjour. Ah, moi, on est nombreux par ici au final. Tu l'as comme un objet utilisable. Alors, qui est de quelle couleur? Tuna, tu es violette. Salut, Tuna. Ah, c'est une potion. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? J'attends la nuit pour la boire. En appuyant sur E. Ok. Salut Nao. Salut. Mais c'est, par contre, les pièges là, j'ai pas compris du coup quand ils sont de base posés par terre. On va les trouver. Ah, c'est comme. On va les trouver comme des potions et qui vont se stacker en bas, je crois. Ouais, c'est ça. Ok. Oui. J'ai une potion bleue. Est-ce que tu crois que je peux la manger? Moi, j'ai une potion verte. Ah. Ah. Oh, j'ai pas vu qui c'était. J'ai pas bu ma potion. Eva, je vais me détransformer, ok? Je me détransforme maintenant et je me sacrifie. Mais c'est la partie la plus rapide du monde. J'ai même pas réussi à boire ma potion, je suis dépitée. C'était quoi la potion bleue alors?
Oh, l'outil. Ah. Je me suis téléporté derrière le loup alors que j'étais avec Onu. Je me suis caché et ça m'a re-tépé. Oh putain, t'as... Mais what? Écoutez bien, j'ai bu... Ah. Écoutez bien. Mais non, Bitel, putain, mais les gars, je sais pas quoi vous dire. Non. Tu m'as abandonné, Ponce. Non, je t'ai pas abandonné. Attendez, comment ça marche les transporteurs? Pourquoi ça ressemble à des gardes? Je vais vous expliquer. J'étais avec Onu Trem, on discutait. Oh, c'était trop drôle. On voit une potion, je bois la potion. Onu, il fait 1, 2, 3. Et là, en fait, je me fais TP. Et je vous promets, j'ai été TP derrière le loup-garou à 1 mètre. Je vous jure. Du coup, j'ai pas bougé. Je suis allé me cacher derrière une porte. Sauf que je savais pas que la potion téléportation te re-téléporter après genre 10 secondes. Mm-hmm. Je savais pas. Du coup j'ai été re-TP et j'étais avec Canon. Ouais, il s'était fait devant moi. Le truc, c'est qu'en plus, moi, du coup, j'étais à côté de Canon et il y avait un loup qui s'est détransfo. Et ah, tu sais qui c'est? À ce moment-là, il y a Ponce qui sort. J'ai fait en mode. Non, je te jure. Non, j'étais avec ça peut pas être Ponce, ouais. Il s'est téléporté. C'est sûr, c'est pas Ponce. Je l'ai vu vraiment apparaître devant moi et disparaître. Ok. Mais c'est pas Ponce qui vient de dire qu'il avait entendu un loup. J'ai vu une personne au loin, je vous le dis. J'ai vu une personne au loin et c'était Tsuna. Aïe, aïe, aïe. Moi, je peux vous le dire, j'ai croisé Kalen, Onu, Bitel pendant la nuit. Et ils étaient jamais en loup. Et j'ai croisé une fois un loup, mais du coup, je voyais pas qui c'était, tu vois. Et t'as croisé moi et Anaë à la fin aussi. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, mais non, tout allait si vite, mec, je me faisais péter, je comprenais rien. Mais oui, on a croisé plein de gens à la fin, mais et d'un coup d'un seul, je dis à Anaë, ça va, t'essayes et tout. Et elle me dit ouais, et là, il y a Ponce qui pop. Et puis il nous mais parle derrière de d'un baril, hein, il est sorti d'un tonneau le mec. Et genre, je te jure, la scène, ça a fait. Ah non, mais les gars, il faut que je vous dise. J'ai pas capté. Il a disparu devant nous, c'était trop drôle. Oh, c'était incroyable, mais je sais pas. Désolé, j'ai pas d'infos, je suis du père. J'étais dans le village principal. Alors. Et j'ai vu un loup. Enfin, j'ai entendu un loup, et moi, c'est pour ça que je suis partie de l'autre côté. Après, je me suis cachée, et après, j'ai vu le zap. Et je suis... C'est où l'autre côté? Attends, regardez où je regarde. Là où s'il vous plaît, étiez, c'est très important. J'ai traversé la plage. Il y a le cadavre de Naomé, ouais. Ah, c'est moi. J'ai vu dans le village principal, mais après. Mon corps est encore debout. Plus Bitel qui m'avait dit que... Ouais. De quoi? C'est non, là où Bitel m'avait dit que potentiellement il y allait des transfos, c'était Tsuna. J'ai entendu la musique approcher et en gros je suis partie à l'opposé de Nao, quoi. Moi je vous le dis, moi je vote 100%, ça c'était transfo, y a pas de débat. Moi je vote perso. J'étais dans la maison et d'un coup j'ai dit que ça arrêtait. Moi j'en sais rien, moi c'était la drogue. C'est qui Anaë qui save les deux là? Moi j'étais au Hadra Festival, je sais pas ce qui s'est passé là. Oh, mais pourquoi mon cadavre est toujours debout? Ah ouais. On peut se détransfo. Ouais, il y a une grosse mise à jour sur l'ICAN, on peut se détransfo, ouais. Bah non, mais en fait, en gros, moi je t'explique. À la fin, avec Anaë, on était tous les deux, et il y a vraiment Ponce qui a popé devant moi et dépopé, mais j'ai pas passé la nuit avec Anaë, hein. Ça se trouve, elle s'est transfo, détransfo, j'en ai aucune idée. Comment il essaye d'attirer sur quelqu'un? Mais apparemment, tu le ramasses et tu le poses, j'imagine. J'imagine, t'appuies sur R comme le reste du système. Ah, du coup, j'ai besoin de ça. Aïe! Ah, putain! On peut faire le bruit! T'es Keblo, du coup? Toi, t'es Keblo toute la nuit? Attends, non, t'es pas en train de perdre de la vie? Enfin, de la... Ça fait bonne. Ah, mais du coup, c'est cassé, ça sera pas utilisé sur le loup. T'as perdu de la nourriture, non? Ouais, je un peu. Oui, un peu, oui. Ah, pardon, je croyais que c'était que les. Il y a une citrouille là. Ponce, il y a une citrouille là, si tu veux. Ça va, moi j'ai des vies là. J'arrive. À l'intérieur là. Je suis pas surpris, quoi. Vraiment, t'as vu le truc pas foncé dedans, quoi. Y'a pas de. Vert, c'est. Vision nocturne. Non, mais ouais, mais on dirait vraiment des zaps d'Ophus, quoi. Par contre, si un de nous est. Oh, y'a le portail! On dirait vraiment des zaps! On se met tous devant le portail. Je mets le piège juste avant. Vas-y. Mais non, mais vous pouvez pas passer la mesure dans le portail. Le portail, y'a qu'une personne qui peut passer. Et oui, il disparaît. C'est une personne. Oh, est-ce qu'on essaye pas de se mettre devant et on essaye de passer en même temps, voir si on peut glitch le truc? Ouais, vas-y. Tu sais qu'en vrai, ça se tente, hein. Attends. Après, je t'ai dit. Attends, il faut vraiment qu'on se mette tous devant, genre là. Ok, devant. Ouais. Et si je bois la potion là maintenant, c'est quoi ma potion verte? Attends. On fait un 3-2-1, genre. Il y a un peu promiscuité là. 1, 2. Ça passe pas. 3, go! Oh le patin! Non, tu l'as vu, Kalen! Ouh.
bien joué, Anaïs. Comment c'est possible que tu te sois TP devant moi et que tu re-TP back? Mon dieu, mais c'est l'osval. Oh, ça devient très dur, encore plus que d'habitude, hein. On sera peut-être moins sûr de qui est le loup, mais c'est très dur d'être loup quand même, hein. Anaï ah, ah voilà, c'était parfait, ça a marché. C'est Luthi. Mais c'est pas moi du tout. Il y a Kalen, il y a Bittel qui s'est téléporté et ensuite il y avait Kalen, oui. Moi et Ponce. Kalen il s'est transfo devant moi. Non, c'est Luthi. Il a défoncé Ponce. Mais pas du tout. C'est Luthi qui s'est transfo parce que Anaï a pop devant moi. J'ai entendu crier Anaï et j'ai entendu crier un loup qui a fait genre devant moi, tu te transformes devant moi et tu tires, enfin un truc comme ça genre. Et c'était Kalen, du coup, vu que c'était pas moi. Non. En fait, le problème, Luthi, dans ton histoire. Le problème, c'est que en fait, j'étais en train de fuir et Anaé a pop devant moi et m'a dit j'ai tiré sur le loup. Et voilà. Et du coup, désolé, Luthi. Mais elle s'est retépée sur toi. Anaé a dit ça à tout le monde en fait. C'est. Il est possible. De toute façon, Kalen n'aurait pas d'intérêt à le faire. Il y a encore trop de monde en potion là. T'as de quoi comme potion? Mais bon. Vision nocturne, j'aurais jamais dû, ça servait à rien. Du coup, la potion permet de se téléporter près du loup-garou. C'est qu'on a voulu tous prendre le TP ensemble. Il y en a un qui l'a pris, moi je me suis transfo. Et après, il est possible que Anaé soit arrivé devant moi, mais tiré une balle et rigolé et re-téléporté. J'avais envie de caler. Ouais. C'est totalement possible. Tu sais ce qui s'est passé? J'avais envie de caler. J'ai envie de comment ça, un chasseur furtif. Hop. Ah, c'est mais du coup, c'est trop bien le chasseur qui TP. En fait, ça, c'est un buff après. Pour le chasseur. Mais attends, mais le chasseur se TP. Enfin, le chasseur, non, mais la TP fait se TP à chaque fois près du loup. Non, c'est random. Bah, non, c'est random. Il y a quoi comme nouveauté? Il y a des pièges à loup. Ça amène forcément où il y a des gens. Tu peux te détransfo en loup. Forcément à côté de quelqu'un. Ok, mais pas forcément le loup. D'ac. Le premier TP que j'ai pris, je suis tombée face à Luthi, quoi. Oui, il y a forcément quelqu'un. C'est pour le divertissement, évidemment. Moi, vraiment, vraiment, moi, j'étais en train de marcher vers le bruit du fusil. Et gros, à ce moment-là, je vois Anaï arriver derrière moi, fusil à la main. J'ai fait. Bah, le plan était. C'était le plan. C'était le plan. C'était dit ça avec Anaï. Je savais que la potion bleue, c'était la TP. Elle m'a dit qu'elle était chasseuse. J'ai fait. Prends la potion, ça peut être rigolo. Et je pensais qu'elle reviendrait pour récupérer une balle et se re-TP pour retirer. Ça aurait été incroyable. Mais... Ah oui, d'accord. Ouais, parce que du coup, je campais à côté de la balle en espérant qu'elle revienne sur moi. Ah oui, d'accord. Alors, du coup, on joue à Lycan. C'est comme un loup-garou, mais c'est un jeu développé par Onutrem. Et du coup, si tu retrouves des rôles assez emblématiques comme la nuit, il y a des loups-garous, il peut y avoir un alchimiste avec des potions qui donnent des effets, etc. Le chasseur. Il y a aussi, au-delà de la dimension bluff, il y a vraiment une dimension un peu survie, puisqu'on doit récolter des ressources. Sinon, on meurt de faim. Si, tu peux. En fait, il y a une animation. Le portail, tu vois, de toute façon, il y a un tour. Maintenant, il y a des pièges à loups, il y a des trucs de téléportation. C'est un peu le spell, moi-même je suis perdu là aujourd'hui. Je me suis dit, merde, ça se trouve comme je suis loup, je peux pas le prendre. Et du coup, genre. Si. Bref. Bah, tu le verras en vrai quand c'est important, mais tu vois bien. Pas activé. C'est là où j'ai trop badé. Tout à fait, on peut. On est en first person, du coup, on peut discuter avec les gens en jeu, c'est rigolo vraiment. Quand t'es loup pour te retransfo, c'est T aussi pour. C'est la même touche. Ouais. Okay. J'ai trop espéré pouvoir me TP. Je suis passé dedans, j'étais là genre. Et puis quand même une petite info, hein, les pièges de loup, tout le monde peut les prendre. Hein. Oui, en fait, si c'est le tien, non. Tu te prends pas tes propres pièges, donc faut se souvenir où tu les as posés. Et la question que je me posais sur ma potion, c'est je pense que. Je savais plus comment miser la potion, je pense que c'était. Ouais. Oui, ça c'est validé. Hein. Ouais. Exactement. Oui, mais tu restes bien bloqué 20 secondes. Ouais, bien. Et puis tu perds la moitié de ta barre de c'est de top, bouffe, c'est, top. Oui, c'est top. C'est très pratique. Si un loup marche dans un piège à loup, c'est fin de course pour lui. Hein, vraiment. Ah bah oui. Ouais. Ça, on a bien vu. Ah oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, est-ce que le loup les voit au sol? Oui, quand même. Oui, il les voit. C'est juste qu'il faut qu'il fasse attention. Et il y a quand même un son quand tu le poses. Donc s'il course quelqu'un, s'il entend un clic, vaut mieux pas qu'il aille tout droit, quoi. Ouais, mais justement, c'est tu sais, à l'entrée des maisons, en cachant dans la maison. Tu vois, faut faire des petites droites gauches. Et ouais, à l'entrée de la maison et tu te caches dans la maison. Tu peux aussi. Après, s'il rentre, il va pas en mourir non plus. Hein. Mais ouais, il rentre après, il régène quoi. Imagine, t'es le chasseur. Boum, tu mets ton train. Ah, par contre, pour le chasseur, le chasseur avec les trappes qui joue trop bien. Le chasseur maintenant il est devenu OP. Gros, il peut se TP, des pièges. Mais les loups peuvent se détruire. Le chasseur il peut se TP, tout le monde peut se TP. Et ça dépend. Tout le monde peut TP et ça dépend quelles potions sont dans la game. Oui, ça dépend des potions. Là c'était exceptionnel.
Quand ça devient ça, c'est quand même exceptionnel, tu vois. Genre. Les bouteilles sont pas forcément revenus visiblement, mais. Les bouteilles. Ouais, les bouteilles. Les fameuses bouteilles à la mer pour le 10e joueur. Ah oui oui. Non mais tranquille. De toute façon, Flonflon, il m'a dit quand j'ai fini, je te le dis. Voilà. D'accord. Okay. Du coup, j'imagine qu'on aura des news. Okay. Ouais, après il connaît pas le jeu. Bon, après il connaît après, pas le jeu. Après, je peux toujours essayer de demander à Momanu, mais je sais pas s'il est là. Hein. Encore une fois, je m'entends plutôt mal avec lui. Ce serait, ah oui, pardon. Alors, c'est un peu problématique pour moi. De ce serait pas depuis qu'il s'est cassé le coccyx. Ok, ok, ça marche. Je rigole, mais il est actuellement sur les pistes, non? Surtout. Bah là, il s'est cassé le cul, donc c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'il est tombé sur le cul. Il a 6 semaines à s'asseoir sur un donut. Ouais. Oh non. Donc en vrai, je pense que y a ça peut arriver à tout le monde. Oui, c'est vrai, Tsunami. Calme-toi. Okay. Ça va, Tsunami. Faut pas se moquer des gens qui doivent s'asseoir sur des donuts, non. De se péter le cul, ça arrive à tout le monde. Oui, commencer le snowboard à l'adolescence et devoir aller à l'école avec son donut, c'était pas quelque chose de facile, d'accord. Ok, je comprends mieux du coup. Okay. Bon, bah si vous voulez, je peux relancer, ça se fait. De toute façon, grosse force, grosse force. Bah, au moins, ça va. On a l'habitude, tu vas lancer dans une seconde. C'est parti, bien sûr. Jungle, terrible jungle. Salut Nao. Alors, une petite question me vient à l'esprit comme ça quand je te croise au détour d'une rue. Oui. Nao, une question au hasard, bien sûr. Nao, serais-tu loup-garou? Non. Aucun monde. Tu viens de rigoler, Nao. Non. Tu es mute. Pour pas que j'entende que tu ris. Je rigole pas. Enfin, je suis pas loup plutôt. Ah bah. Ah. Bon. Alors, alors tu sais quoi, Nao? On reste tous les deux dans ce cas-là. D'accord. Non, j'étais quand même mort de rire pour quelqu'un qui. Non? Non, non, je t'assure, il va rien se passer pour toi cette nuit. Il y a quelqu'un qui s'est tépé près de nous là. Non, mais d'accord. Non, mais ok. Quelle couleur la prochaine tépé? Quelle couleur est-ce que tu prends? Non, attention, Nao, juste. Ouais, ok. Ouais, non, bah, non, c'est faux. C'est juste que Ponce me donne excessivement envie de rigoler à chaque fois. Quoi? Mais j'ai... Ah, oui. Je suis hilarant, c'est tout. C'est... Ah, ça y est, attends, Nao, c'est un beau compliment. Ça fait plaisir. Non, mais je sais pas, tu me décontenances. Ouais, je suis rassasiée, je cours. Ah bon, d'accord. Voilà, voilà, je vais vous laisser. Très bien. J'ai pas de pastilles. Elle a aucun... Et tu sais, du coup, tu sais pas trop comment réagir dans cette situation. Bah, je réfléchis. Ok. Non, mais très bien. Ouais, mais ça va bien se passer, je pense. Bon. Tu sais, quand tu parles, Nao, ça s'affiche pas à droite. Genre, ça s'éclaire pas, c'est bizarre. Ouais, mais c'est parce que je suis une taupe, peut-être, en fait. Oh, imagine, je viens de voir un bug. Non. Ah, peut-être, hein. De quoi? Bah regarde, quand elle parle, Nao, ça s'allume pas, à droite. Là, vas-y, parle. Là, je parle, là, ça s'allume. Ah ouais, ah ouais, on voit pas t'allumer. Ah bon? Ouais, on voit. Pas. Ah mais je vois personne s'allumer, en fait. Non. Ah ouais. Ah ouais. Bah moi, je vois c'est moi. Vrai, je vois personne. Mais c'est parce que c'est la nuit. C'est parce que c'est la nuit. La nuit, on voit pas. C'est la nuit. Ça parle de quoi? Ok, quand on sort, là, c'est clair. Là, ok. Là, c'est clair. Ah là, c'est clair. Ok. L'enfer. Wow. C'est quoi. Bon, bah. Bon, bah. Journée, hein. Suivante, on enchaîne. Bah, c'est pour tout cas. C'est super. Ok, du coup, c'était vraiment Nao. Moi, je vous dis. On peut renvoyer si ou... la touche. Bah, juste. La touche. Si jamais vous croisez Nao, juste. Voilà, n'hésitez pas à discuter avec Nao. Tranquille. Mais juste une discussion. Ça va. Si jamais là. Je vous donne une petite info qui peut être importante. Oui. Mais oula. Il se pourrait que la potion verte soit intéressante. Oh, ok. Ok, la potion d'accord. Rouge, c'est rassasié si jamais c'est intéressant. Du coup, Nao, t'as des post-it cette fois ou pas? Non, j'en ai pas, c'est un problème, non. Je pense. Vraiment, ça y est, t'as passé le step. Okay. Okay, ouais, bah justement, j'essaie de jouer sans filet, quoi, tu vois. La game no post-it. Ouais. Jouer sans filet. Je veux qu'on s'interdise de te poser la question directement. Oui. Ah que bah tu oui, ça serait approprié. Est-ce que tu es loup-garou, Nao? Non, je suis pas loup-garou, je vois pas de quoi vous parlez. Oh, elle a dit non.
Waouh. Ouais, ouais, c'est oh, pas moi. Non mais c'est pas moi, arrêtez de me regarder. Non non mais on... non mais non, elle a dit non. Non mais écoute, t'as dit hey, tu t'as dit non, on te croit. C'est juste que à chaque fois j'ai l'impression d'être en garde à vue avec Ponce quand il me parle, mais tranquille. Pardon. Si un jour, si un jour elle apprend d'identité. Pardon. Si un jour elle apprend à mentir, ça va devenir un danger public. Le chasseur croise un t-shirt rose. Mais qui te dit qu'elle ne ment pas déjà? C'est vrai ça. C'est fou. Renao, t'es quand même souvent très honnête quand même. T'es quelqu'un d'assez honnête. Enfin, je trouve que c'est ce que tu dégages quand même. C'est pour ça que, ouais, c'est ce que tu dégages et t'as fait preuve que d'honnêteté, de bonne foi à chaque fois que j'ai eu affaire à toi depuis mon existence, tu vois. Non, c'est... Donc, c'est un wow. super compliment pour ce que tu me fais. L'ambiance, l'ambiance conseil de Koh-Lanta me termine, genre. L'ambiance pour une soirée bourrée, je... ça dépend. En vrai, Nao, franchement, c'est trop gentil. Je t'aime vraiment trop. T'es trop bas, t'es trop roule. Et trop le sort. Viens, on fait un câlin. Allez, go next. La tribu a décidé de vous éliminer. N'est-ce pas? Il y a deux personnes qui n'arrivent pas à glisser. Une, parce qu'on est neuf. Voilà. Oh, il a fallu attendre la dernière seconde. Non, mais en plus, ouais, non, bref. C'était moi. C'était moi qu'on attendait. J'y pep. On n'est pas très concentré là. Hein. Non, on se concentre un peu, Nao. Non, mais. C'est dur. Non, c'est dur, je sais. Je pense que je vais aller à l'opposé. Okay. Je vais aller vers le village pêcheur et enfin vers le village de forgeron du ouais. coup. Et évite-moi, ça, évite-moi comme les autres. Tu ferais mieux de te méfier de moi, je pense. Ouais. Exactement. Moi, je suis un loup alpha, vous savez quoi. Non, mais attends, mais pourquoi je veux ramasser des trucs? Je suis con. Allez. Alors, bon, je sais pas quoi faire et est-ce que je peux prendre le zap? Attention, 3, 2, 1, ça change un peu mes plans, j'avoue. Est-ce que je peux? Un, deux, trois. J'ai voulu tenter de prendre ce truc, mais c'était une erreur. Je peux même plus courir. Bon. Oh non, il est mort dans le piège. Mais non, il est mort dans le piège. Mais non, c'est pas possible. Oh non, il est mort dans le piège. Je suis mort parce qu'il est mort de faim, je pense. Je pense qu'il est mort pour essayer d'attirer le loup. Et il est mort dans le piège. Bah, ouais, en fait, on a tenté de piéger le loup et le loup était trop malin, du coup il a esquivé les pièges. Et Lutti, en essayant de faire le fanfaron pour piéger le loup, il a couru dans son propre piège, il s'est fait prendre par son propre piège et il est mort parce qu'il devait pas avoir beaucoup mangé avant. Voilà. Putain. Mais c'est moi qui avais posé un piège dans la deuxième pièce. La seule interrogation qu'on a, sans c'est coupable, Anaël. Eh bien, moi j'étais dans le village, dans la tour, et d'ailleurs il y avait quelqu'un qui était dans une tour en face de moi, et le loup s'est transformé dans le village principal d'ailleurs. Non, mais là, la seule j'aimerais bien savoir qui était l'autre personne avec moi dans le village principal sur la tour. Kalen et Wingo, Kalen et Onutra n'étaient pas avec nous. Mais Wingo, t'as réussi à fuir? Oui, mais en fait, moi j'avais une potion de célérité. Bah, c'est pas moi, parce que j'aurais pas réussi à des pièges, je pense, donc vous vous trompez de personne, c'est sûr. Attendez, mais je crois que. C'est sûr, c'est lui. J'accepte. Ça peut pas être moi. Attends, mais bon, comment il est mort? Ah, bah, par le loup. On se safe en gros, donc. Ça peut pas être moi, vu que moi je voyais vraiment
tout ce qui se passe depuis ce mirador ici. Je sais que à la fin dans le village de la ferme, il y avait des loups qui couraient partout. Effectivement, j'ai vu quelqu'un courir à un moment donné. Il a dû À chaque fois, il se place là où il peut tout voir et il sait tout. Par contre, ce qui est très bizarre, c'est qu'il y avait quelqu'un évidemment qui était. Attends, mais c'est quelqu'un avec un scaphandrier qui était. Mais il est mort. Scaphandrier. Qui a un scaphandrier dans le. Bah toi. Et la personne qui a pris le trap. Attends, t'as une boule sur la tête. Toi, t'as un truc sur la tête. J'ai une question importante. T'as vu la personne humaine prendre le trap ou ça? Wingo, ton live va crash. Ça, genre, en fait, ça, je peux pas le savoir, étant donné que j'étais dans ce village-là et que je voyais à distance ce qui se passe. Donc ça, en fait, à la fin de la nuit, j'ai vu quelqu'un courir tracé et un loup tourner en rond. Ça, c'est ce que j'ai vu de loin. À la fin de la nuit. Ouais, le problème, Onu, dans ton histoire, c'est que moi, du coup, j'étais au village pêcheur avec Nao, donc ça peut pas être nous, en fait. Donc c'est forcément toi, genre. Bah, c'est quoi ce raisonnement nul à chier là? C'est sûr, c'est toi. Mais bon, je fais à chaque fois. Il y a deux loups. Est-ce que c'est Kalen et Nao du coup? Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que Nao non, mais déjà, personne que a fait cette nuit là? Je vous assure que non. Personne n'a dit qui était avec moi. Personne n'a dit qui était avec moi dans le village. Donc c'est forcément c'est soit Kalen, soit. Mais parce que t'as eu l'info, t'as tué. Pourquoi on voterait j'imagine. Moi, je suis désolé, mais je trouve que Kalen il est suspect. Parce qu'il a dit directement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme s'il savait ce qui s'était passé et que. Faut faire un guess. Mais oh, genre, c'est soit lui, mais soit lui, je sais pas. Kalen ne m'a pas eu, Kalen ne m'a storm. Pourquoi il a dit qu'il m'avait vu au village pêcheur? C'est encore plus flag, tout le monde me flag un peu déjà. Vas-y, tranquille. C'est qui court vers moi, c'est Tsuna? Non, c'est Wingo. Pourquoi ça tire? Ah, c'est le corps de Kalen de tout à l'heure. Je vois des cadavres en pleine. Bien. Merde. Ça va. Bon, déjà, ça dégage. Bon. Rien. Let's go, je vois rien. Oh, je suis bloquée dans mon mirador. Ouais, une bonne partie, ouais. Allez! Oh, j'ai que ça à faire. Non mais imaginez deux secondes les gars, c'était ni Onu ni Kalen. Non, mais quoi, et du coup, il y en a un des deux qui s'est pas transfo là. On aurait déjà perdu. Ah mais oui, on aurait déjà perdu les quatre. Bah c'est Nao. C'est bon, c'est Nao. Putain, mais Nao, elle a réussi à dire oui, je suis pas loup-garou de manière trop sereine. Ouais, c'est bon. Oulala, l'évolution. Mais attendez, mais par contre, pourquoi Onu est mort? T'as trop step up. Pourquoi Onu est mort? Parce que je l'ai tué. Je l'ai tué de sang-froid en me disant que c'était soit lui, soit Kalen. Et du coup, comme je me suis sentie coupable, après j'ai tué. Après, je me suis ressentie coupable de l'avoir tué. Mais il faut prendre des décisions dans la vie. Ouais, d'accord. Mais non, c'est toi. Ouais, c'était moi. Le village sera de nouveau sauvé. Et moi, j'ai réussi à prendre le portail au dernier moment. J'étais trop contente. Ouais, j'ai vu. Ouais, j'étais un peu pas sûre. Dans un zap, c'est génial. Oh, c'était Kalen, on a tué Onu pour. Ah, c'était bien Kalen. Oh non, Onu, je suis désolée. Kalen, non, mais déjà, je vous remercie quand même. Je vous remercie quand même parce que Kalen, 90% du temps, ça passe ces conneries. Hein. Arrête. C'est vrai, Kalen, c'était l'intonation. J'ai donné. Bah, ok. En fait, j'étais tellement choqué. J'étais choqué par la situation. Tu avoir dit.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et vraiment, ouais, en fait, c'est l'intonation. C'est... On m'a dit dans mon chat, c'est l'intonation, elle, ça allait pas du tout. Genre, c'est vrai. Franchement. Faut que je redémarre. Vas-y, vas-y, okay, okay, ouais. vas-y, je pose un pipe de mon côté. Vas-y, pendant ce temps, j'arrive une seconde dans la game, je vous rejoins dans la game, une seconde, ok? Ok. D'accord. Hein bah, okay. Et qu'est-ce que c'est drôle quand même la situation? ONU, t'as vu? ONU, c'est un peu broken les pièges quand même parce que. Ouais, c'est un peu fort, ça sera sûrement nerfé. Il y en avait deux dans les champs, trois devant la porte, deux derrière. Oh, nous, on était trop contents de notre piège, on était là. En fait, je pense que honnêtement, les pièges, c'est une bonne idée, mais il y en a trop. Il y en a trop, ouais, en fait, c'est trop. C'est trop. Mais par contre, en fait, le truc, c'est, ouais, c'est le fait qu'on ait trois d'un coup. J'ai un problème de comportement aussi. Je me rends compte que quand je suis loup-garou, bah ça sert à rien que je fasse semblant de chercher des ressources, etc. Donc je sais un peu pas quoi faire. Donc du coup, j'essaye de faire semblant de récolter. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça. Mais en même temps, les deux fois où je pop, il y a personne autour de moi. C'est chaud de trouver les gens sur la map. Après, ils sont tous packés ensemble généralement. Et évidemment, par contre, quand la game commence, il faut que je croise une personne. Qui est-ce que je croise? Je croise Ponce. On va pas s'en sortir. Et mais du coup, j'ai l'impression que quand... Mais ça, c'est un vrai comportement et que j'observe aussi chez d'autres parfois. C'était un peu dur, quoi. Et puis, il y avait Wingo derrière avec la potion de vie. Quand, donc, vraiment, j'avais 4 personnes quand je suis loup-garou, je me sens un peu safe. Donc, j'ai plus de propension à rester parler avec les gens, etc. Alors que quand je suis pas loup-garou, je me dis à tout moment, la personne en face de moi, elle est loup. Et du coup, je me méfie beaucoup plus des gens. Et ça, j'arrive pas à le feindre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a un avantage. Ouais, bien sûr. Ils peuvent par exemple tuer, faire un carnage dans un village, se TP, se redétransfoir avant de prendre la TP. Du coup, faire que genre ils étaient là, cachés dans une maison. Enfin, ils peuvent faire des clair. Trucs. Est-ce que si tu bois la potion de téléportation et que tu te transformes en loup, ça cancel la potion ou pas? Bien sûr, comme tous les effets de potion. Ah, ok, parce que je me suis dit, putain, imagine, tu te téléportes random toutes les 10 secondes derrière un mec. Genre, Est-ce qu'on peut nerfer Ponce sur la prochaine game ou pas? Genre. Hein non, mais il a deviné Nao direct. Plus jamais je te demande, ok? Comme ça on est tranquille. Oui, d'accord. Elle a réussi à mentir pourtant. Mais ouais. Putain, cette situation improbable. Elle a réussi à dire non et tout. À l'intérieur moi, de la maison parce que je sais pas pourquoi Anaë, pour prouver qu'elle était pas méchante, elle a mis un piège devant sa maison. Regarde, je me suis dit si jamais un loup rentre dans la maison, et ben au moins je suis caché dans la deuxième partie de la maison. Comme ça le loup, il est caché. Moi j'ai juste couru pour essayer de l'attirer. Mmh. Et je prenais pas mes pièges parce que c'est pas gaffe au piège. Du coup j'ai avancé vers Anaë en paniquant pour essayer d'avoir la vision. Mais j'ai pas si tu regardes pas le sol. Et les autres pièges c'était les siens, du coup ils se les prenaient et pas. Et tant mieux que vous puissiez vous TK, ça compense un peu. Ça va, Ponce? Oui, ouais, non, je disais juste, on pourra faire un rapide résumé quand Flonflon arrivera pour lui expliquer un petit peu le jeu. Normalement, là il a le code et tout, il arrive. Ouais. Qui c'est qui est pas là encore? C'est Wingo qu'on attend ici. Et oui, Wingo, mais parce qu'il a un OBS crash, donc je pense qu'il redémarre. T'es très proche de lui. Quoi? Ah oui, putain. Qu'est-ce que vous faites? Au moins, t'es plus dedans, quoi. Ouais, on est plus dedans maintenant, on est côte à côte. C'est Mimi. On se tient par la main, regarde en face. Oui. Hop. Mais ouais, on disait que c'était peut-être un peu trop trois pièges par looting. Ouais. Par loot, peut-être un ou deux par trouvaille, tu vois. Après, sur le long terme, il y a un autre truc qui est vrai, c'est que c'est un nouvel item, il y aura d'autres nouveaux items, et du coup, il y aura des parties où il n'y aura potentiellement jamais de pièges à loup. Mmh. Ça va tourner avec les nouveaux types d'items. Ouais, ok. Ouais. Un petit peu le nerf en attendant, mais après. Tu prends. Quand t'es en loup et que tu prends un piège, tu perds ta barre de sang, c'est ça directement? Bah, en fait, ça descend vite. Elle descend de moitié, je crois. Non? C'est descend de moitié? Ouais, à peu près la moitié quand t'es en loup. Je crois, ouais. Il me semble, ouais. Ouais, parce qu'un quart, un tiers quand t'es villageois, je crois, un truc comme ça à peu près. Je dirais un. En fait, dans mon chat, on disait, mais en fait, au pire, tu te prenais le loup à l'entrée, t'attendais et ensuite tu les tuais. Mais en fait, c'est qu'il y avait un chasseur dans la maison. Bah, c'est pour ça qu'on a fait ça. Et ouais, c'est dangereux. Bah oui. On n'est pas fou, on a fait donc ça parce qu'on avait un chasseur, parce que sinon il va perdre la moitié de ses PV, on va pouvoir le one shot avant qu'il nous tue. Bah oui, c'était ça le but. Mais tu peux pas te donner des pièges, si? Tu peux donner des pièges? Non. Non, je crois pas. Non, mais bon. Oui, voilà, ouais. Et si t'as pas le chasseur, du coup c'est plus compliqué. Ouais. Et puis là, en vrai, on a survécu, mais le chasseur, des fois, il se fait buter la première nuit, et puis voilà. Hein. Bien sûr. C'est quand même une situation compliquée. Il y a quelqu'un qu'on connaît pas dans la game. Ah, Mister. Ou alors c'est Flonflon, et on le connaît. C'est Flonflon, je pense. Ah. C'est ID oui avec la tête. Ah oui. On va faire un petit résumé des nouveautés. On va faire un résumé des nouveautés, vous en faites pas. Tu peux checker toutes tes configurations en faisant échappe. Échappe option, check tes sons, micro. Mettre le bon micro peut-être même si tu es en danger. Ouais. Mets-toi bien.
Et mais par contre, t'as l'air de nous entendre, vu que tu réponds oui avec la tête. Oui. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire un rapide résumé. Déjà expliqué. Échappe et option, tu peux régler ton entrée micro. Salut Wingo. Salut Wingo. Pouet. On explique. Oui, voilà. Pouet. Ah, on t'entend. Oui. Ah, on t'entend, on t'entend. Pouet. Pouet, c'est bon, vous m'entendez? Oui. On t'entend. Oui. Mais Pouet, à toi aussi. Discord. Je parlais sur Discord en fait. Ah. Et oui, c'est mute. Et non, c'est, je suis un peu con, hein, t'as dû te sentir sacrément seul, ouais. Ah, bah, je vous entendais, mais comme je vous entendais parler, j'ai dit, il y a un truc qui va pas, je comprends pas là. Non, c'est bon. Ah, oui, d'accord, ok. Bienvenue, Flonflon. Ouais, bienvenue, je préviens avant, je préviens Flonflon, tu vas te taper vraiment des barres de rigolade. C'est-à-dire que c'est n'importe quoi ce qui se passe, ça part dans tous les sens, je comprends rien. Écoute, j'adore rire, c'est ce que j'ai remarqué. J'adore l'humour. J'adore rire, gros, c'est... t'es au bon endroit. Est-ce que Onu, le créateur du show, veut le présenter peut-être? Ah oui. Je voulais proposer quelque chose, moi. Je voulais proposer. Ah vas-y, je veux bien lui dire. Ouais, il va peut-être le faire un peu stylé. Une présentation très simple. Bienvenue dans le maître des fleurs. Vas-y. Et ensuite, Flonflon, la personne avec qui tu seras pendant la game, parce qu'en fait, tu vas voir, on va être tous téléportés à des endroits random, mais tu vas pouvoir entendre avec un chat de proximité les gens autour de toi. Si vous voulez bien, la personne qui est avec lui, s'il est pas loup-garou, qu'il le colle un peu et qu'il lui explique le jeu pendant la game, parce que c'est quand même beaucoup plus facile que de réexpliquer là en entier très long. Mais en gros, il y a plusieurs rôles, il y a les gentils et les méchants, il y a deux méchants qui sont des loups-garous, et le reste, c'est des villageois. L'objectif des villageois, c'est de survivre, notamment la nuit, parce que les loups-garous peuvent te manger la nuit, et la journée, on va se retrouver comme ça à chaque début de journée pour voter, pour voir combien de personnes sont mortes, pour se faire des explications et pour voter quelqu'un ou passer le vote, tout simplement. Okay. L'objectif pour les villageois, c'est de rester en vie. On a une barre de PV, donc ne cours pas tout le temps. Tu vas voir qu'au début, tes points de vie descendent beaucoup, il n'y a pas beaucoup de loot. Et partout, tu vas pouvoir récupérer du loot pour te remonter en point de vie et monter la barre des récoltes en haut à droite. Les villageois pour gagner, soit ils trouvent les deux loups-garous et ils les tuent, soit ils font la barre de récolte en haut. Voilà. Quand tu es loup-garou, tu peux appuyer sur T pour te transformer pendant la nuit, mais ça dure quelques secondes. Et ensuite, tu vas aussi avoir une barre de points de vie qui se recharge dès que tu fais un kill. Donc dès que tu fais un kill, tu remontes full en point de vie et tu peux courir vite. Si un loup si tu trouves personne, tu vas galère sa mère. Ouais, d'accord, okay, je comprends. Et ensuite, il y a d'autres rôles. Il y a le chasseur qui a une balle dans son fusil et qui peut tirer sur le loup pour le mettre low HP ou pour l'achever. Il y a des pièges de chasseur, il y a des potions, mais tout ça, on va un peu t'expliquer. C'est assez simple. En gros, c'est un loup-garou qui a baisé avec un Among Us qui est sorti du cerveau exceptionnel de Onutrel. J'ai bien compris. La personne qui sera avec toi dans la game t'expliquera encore mieux. Voilà. Voilà. C'est complet, hein, on va dire. Juste compris. On dirait que c'est vraiment ton métier de présenter. Enfin, c'est incroyable. Oh là là, c'est fabuleux. Voilà. N'en fais pas trop. Oula, ah oui, d'accord. C'est cher, quoi. Vraiment, y'a pas de. Ouais, c'est. Le gars, je suis fou. Let's go. Ok, peut-être, j'en fais un peu trop la tête. Ouais, un petit peu. avant de partir, tu peux faire un truc très important. Si t'appuies sur CTRL, tu peux modifier ton skin. Voilà, un bon chapeau. Comme ça, on te repère. Alors, quel chapeau va-t-il choisir? Idéalement, tu prends un chapeau qu'aucun de nous a, comme ça on se repère. Mais oui, mais Kalen, il a le même que moi. J'ai fort aussi. Oui. Je vais changer. Mais je m'arrête. J'ai vu la tour Eiffel, je m'arrête là. J'ai vu la tour Eiffel. Nice. Et bien... Eh bien, c'est parti. Je me sens tout de suite beaucoup mieux, voilà. Merde. Est-ce qu'il n'y a pas ONU dans le coin là? On est nombreux là dans le village. Oui, j'apprécie que t'as changé ton chapeau. Bon. Ouais, je suis désolé, j'avais pas fait attention. Après, c'est peut-être pour ça qu'on était loups ensemble la game d'avant. Peut-être. On était liés par les bois. Par le chapeau. T'as besoin de trucs? Bon, je suis full, mais je fais les points quoi. Moi aussi, bah vas-y, tu peux prendre. Bonjour. Il y a Wingo. C'était Wingo avec toi? J'ai pas vu. Ouais, c'est ça. Ok. Oh, ça m'arrange que ce soit. Oui. T'es loup. Pourquoi vous me posez cette question? Faut arrêter de me poser cette question, madame. Non, c'est pas. Je suis pas loup. Ok. Je te fais confiance. Non, mais. 100%. Non, mais tu dis ça, mais ça se trouve, c'est toi qui es loup. Non. Moi? Jamais. Oh là, putain, c'est super loup. Je vais mourir encore la première nuit. Non, tous mes passages. J'arrête pas de mourir la première nuit. Ou alors je suis loup et je suis trop nulle. J'arrive pas à démarrer. Je suis bloquée. Je suis bloquée, au secours. Je te le dirai. Hein? Non, mais je suis pas loup. Non, c'est vrai? Tu rigoles. C'est vrai, je te dis la vérité comme tu m'as dit la vérité. À quelle partie? Je te promets, il va rien se passer là. Oh, une pomme.
c'est pour ça que je suis fichée quand je suis loup. Quand je suis loup, je me promène en mode oh là là, la vie est belle. Ah, et voilà, tout va bien. Non, mais me dis pas ça. Me dis pas ça. Écoute, la prochaine fois, quand t'es loup, je te défends. C'est vrai. Et tu viens, tu me dis le mot poireau. Poireau. D'accord. Poireau. Tu me dis j'ai envie de poireau. J'ai envie de poireau. Ok. Une soupe de poireau. Ok. Merde. Oh, non. Ça me plaît bien cette idée de poireau en vrai. Allez là, merde. Oh là là. Je l'ai vu monter dans le mirador. J'ai envie de mourir, j'ai plus d'oreilles. J'ai le village cède à la panique. Ah bah oui, là je confirme qu'il y a. Et tout le monde court dans tous les sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon bah moi, je pense que le coupable c'est Flonflon. Non, non, je rigole. Mais qui a tiré? Soit toi sur la première game. Non, quand même. Il y a de très grandes chances. Il y a game, la malédiction, ouais. Ouais, malédiction de première game, ouais. On est loup et on panique. Mais non, regardez, j'ai une tour Eiffel sur la tête. C'est vrai. Déjà, au vu du nombre de kills sur le papier, il n'y a qu'une seule transfo en vrai. Et nous, on était beaucoup, mais on peut pas save tout le monde. En tout cas, ne s'est pas transformé cette nuit. Ponce, Bitel, moi, Tsuna et Kalem. Ouais, mais c'est, moi, j'ai ça veut rien dire. On était ensemble. On était de ouais, c'était dans le coin. Attendez, mais attendez. La game, quoi, donc Non, ouais, mais la question, c'est est-ce qu'il a tué la personne qui lui a tiré dessus, vous pensez? Ah, est-ce qu'il n'y a plus de chasseurs? On n'a plus de chasseurs, sûrement. Là, ah, est-ce que c'était Onutrem, le chasseur? Je veux dire, est-ce que c'était Onu? Ah. Ouais, c'est ça la question. Parce qu'il y a eu un tir et un mort. Du coup, je me demande s'il n'a pas juste buté le chasseur. Et que du coup, on n'a plus de chasseurs. Donc, déjà, on peut ramasser les balles, ça fait des points. Vous avez entendu le tir, c'est ça? Vous avez entendu le tir? Ouais, il y a eu un tir village principal. Mais tu l'as pas entendu, Flonflon? Mais peut-être qu'il l'a pas raté, mais c'est moi qui ai tiré, c'est moi qui ai tiré. Ah, t'es chasseur. On était en train de t'appeler. Bonjour, Flonflon, bonjour. Ok, alors soit c'est juste, soit son chat l'a très bien conseillé. Non, mais je croyais qu'il fallait que je garde le rôle un peu secret pour l'avenir, mais non, en fait, je me suis enfermé dans une maison, j'ai essayé de comprendre le rôle que j'avais, j'ai vu que j'étais chasseur, et là, j'entends du bruit à côté, de là où je m'étais enfermé, j'entends une espèce de coup de poing, etc., et là, la porte s'ouvre, loup-garou, je tire, et sauf que ça tue pas, en fait, donc et donc en fait j'ai refermé la porte, j'ai dit tu ne mourras pas, j'ai refermé la porte et là il y a eu cri, le jour se lève quoi. Donc j'ai pas été tué. Bien mais, C'est passé une dinguerie. Il s'est passé en fait, une dinguerie en fait. Même moi j'ai rien compris, j'ai rigolé. Vraiment. En fait ta balle elle va mettre midlife, tu sais la barre de bouffe à gauche, midlife plus la personne est le loup est ralenti. C'est-à-dire que toi si tu cours normalement il peut pas t'atteindre. Voilà. Mais merde, ok, mais ça je le savais alors pas. Alors que normalement il court si plus vite que toi. Parce que t'es corps à corps, si t'es one shot parce que t'es corps à corps, passez sinon quelqu'un va nous tuer. T'as bien joué en tout cas. Hein. Ah oui. Ok. Une potion. Je la bois, je la garde pour cette nuit. Je suis encore avec Kalen. Bonjour Nao. Coucou Kalen. Salut. Kalen et Nao. Non, oui. Je suis dégoûté. Encore eux. Toujours, on est toujours fourrés ensemble aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Ouais. Ouais. C'est vrai en plus. Mais en fait le truc c'est que comme il y a qu'un seul mort, il y a vraiment pas beaucoup de loot. C'est un peu chiant. Ah. Ouais, parce que tu sais, c'est au fil du nombre de morts. Enfin, c'est au fil des journées et au fil du nombre de morts que t'as de plus en plus de loot. Est-ce que vous avez une idée de la potion rouge, ce que c'est? Non, j'ai testé aucune potion. Ah mince. Et toi? J'ai la potion rouge là. Et je vais attendre cette nuit pour la tester, je pense. Rouge, ouais, ce dit. Du coup, j'en avais trouvé une, mais j'ai pris des pièges à la place. Du coup, je sais pas. Comment ça, t'as pris des pièges à la place? Potion de célérité, j'en ai déjà une. C'est la vitesse. Et c'est laquelle? J'ai trouvé une de vitesse et j'en ai déjà une. Donc s'il y en a un qui rouge, en c'est la vitesse. Non, bleu, c'est la vitesse. Rouge, c'est l'audition. Et verte, c'est l'épée. Faut pas prendre. Ah ok. Ah c'est les pièges. Mais ils sont où? Mais attends, mais je suis bloquée dedans. Pourquoi tu m'as mis ça là? Pourquoi vous m'avez mis dans le piège? C'est tellement pas sympa. J'ai l'impression que Kalen te suspecte. Ben c'est l'impression que ça me donne. Ben... Et c'est un peu une Oh là là, c'est Wigos.
secours, j'ai... en plus je suis toute seule là, c'est mort. Oh non. J'ai même pas pu boire ma potion, je suis abattue. T'as vu, du coup, si j'essaye d'être sympa avec les gens et de parler avec eux, ils me font trop pas confiance. Mais pourquoi il m'a fait un piège? Il m'a conduit à mon suicide, à ma mort. Il est responsable de ma mort, hein. Oh, la pauvre. La pauvre. La, Nao en PLS. Non, non, c'est Wingo. C'est Wingo. C'est Wingo. Ah, mais non, Nao est morte, alors c'est Wingo. Nao est morte. Bah, c'est Wingo. Bah, alors c'est Wingo. Mais pourquoi ils étaient tous là, Nao, la pauvre? Je suis désolé. Okay, je viens de faire. Je pensais que c'était Nao, du coup. Au début, Talon, il a posé un piège sous ses pieds. Et du coup, elle est restée coincée. Du coup, elle est restée coincée. Non, lui, il est parti en courant. Je suis parti en courant et il y a Wingo qui l'a tué. Ah, c'est oui, ok. Non, est-ce que ce serait vrai. Pas sinon Nao qui s'est pris le trap et une balle ou un truc comme ça? Non, bah, on a fond mais il a pas de chance. Non, il n'y a pas de balle. Non, mais après, il y avait un loup, il y a un loup qui est venu courir, qui nous a couru après depuis là-bas. Donc, même si Nao était morte comme ça, ben il y a un deuxième gars qui s'est transformé non, en loup. Nao s'est même pris endroit. Le trap, forcément, elle a perdu des points de vie, donc là, je l'ai aidé pour qu'elle puisse se régénérer un petit peu. Et ensuite, on s'est split, et donc je sais pas de quoi elle est morte spécifiquement, parce que moi, j'ai pas croisé de loup, je suis allé au fond du village pêcheur, donc je sais pas si elle a croisé un loup ou pas, tu vois. Peut-être de faim, du coup, en fait. Parce que non mais nous on a entendu le loup, il nous a couru après. On a vu le loup. Et en okay. fait moi j'avais Attendez. La potion de célérité du coup. Voilà. Je vous explique la situation. Okay. Moi j'avais déjà une potion de célérité et j'ai vu une autre potion de célérité dans une maison. Du coup je suis arrivée dans le village pêcheur en mode les gars qui veut une potion, qui veut une potion, et ils étaient trois. Et c'est là où ils faisaient leur truc de piège et tout. Il y a que Callen qui est venu avec moi. On a laissé Wingo et Nao tout seul et il y a un loup qui est ressorti du village pêcheur pour nous courser après. Et nous on avait la célérité, du coup il nous a pas chopé. Et du coup c'est forcément Moi j'ai vu un loup à la fin, je l'ai entendu parce que je me suis téléporté tout seul, Bittel et Anaï peuvent être témoins. Oui, il y a le mirador là-bas, là, au niveau de centre principal. Je me suis caché, il y a un loup qui est venu jusqu'au centre du village, qui m'a pas vu, qui chassait Callen. Ah mais Callen il pensait à 100% que c'était moi le loup du coup. Callen sous célérité. Callen a tracé ses grands morts et le loup essaie de le plus chasser et puis moi après j'ai mis ça comme petite musique. Callen, vous m'avez leak le fait que c'était vous aviez une potion de célérité. Donc genre vraiment ça aurait été complètement con de venir vous courir après alors que je savais que vous alliez me tracer. Oui mais ça c'est vrai. Mais qui a tué Nao et comment t'es en vie du coup? Il reste plus que Ponce et toi. Moi Anna et Bittel je les save sur cette nuit là. Bah demande à tout le monde, je croisais tout le monde en pétant donc. Oui je crois que c'est la fin de la nuit. Ponce m'a pété dessus au pire, voilà, c'est ce qui s'est passé. Voilà. En fait, j'ai pété sur le chasseur en lui expliquant comment fonctionnait le chasseur, déjà, premièrement, je vais tout expliquer. Et ensuite, j'ai pris le TP parce que je me pétais dessus, j'en avais ras le cul, j'ai dit à Flonflon, bon, je me pète dessus, mon gars, donc moi je vais y aller. Et du coup, j'ai bougé et j'ai pris le TP, je suis arrivé. Ouais. Je suis arrivé devant. Je confirme les proues. Du coup. Personne n'a voté. Même lui, il pensait pas qu'il allait passer, je pense. Du coup, il les fuit. Je vais analyser son gameplay, d'accord? On essaye d'apprendre des meilleurs. Allô, y'a quelqu'un? Il faut faire ça, il faut doser s'il y a des gens qui peuvent m'entendre. Je suis trop naïve, je me méfie pas. Regarde, t'as vu? Là, j'étais là en mode, vas-y, on va sociabiliser, et boum. Et en plus, non seulement j'ai sociabilisé et on a pensé que j'étais coupable, on m'a mis un piège sous les pieds et je me suis fait bouffer par le loup-garou. Là-haut, il y a aussi une... il a entendu que c'était Callen, alors du coup, il part. Parce que du coup, il sait que Callen pense que c'est lui. Et c'est un des seuls, d'ailleurs, qui le pense. Du coup, après, il sait qu'il y a des gens dans le village, en vrai, donc... Là, ils sont encore deux loups, hein. Pourquoi j'ai l'impression qu'il n'y avait pas ces maisons-là, avant? Vraiment, je suis désorientée spatialement sur cette map. Il y a tellement de... Oh, tu mords, tu mords, tu mords.
Ah, il y a des pièges partout par contre. Oh là là, ça dodge bien. Le carnage. L'imitation de la mouette. Le carnage. Alors qu'Alain, t'es caché où? Pas pour rester caché trop longtemps. Oh non, c'est trop grave. Je sais plus ce que c'était. Ah d'accord, putain, okay. J'étais mute. Je te jure que j'étais mute. Je vais raconter l'aventure qu'on a vécue parce que oui. Du coup je pense que Kalen est gentil et que Wingo est méchant aussi. Parce que moi j'étais en train d'expliquer le chasseur. Et en gros ce qui s'est passé c'est qu'on a vu un loup se transformer. On a réussi à lui tirer dessus. Puis c'est un transfo. Tir. Et la seule personne qu'on a retrouvée dans ce village c'est Ponce. Ah. Alors j'étais mute, du coup quand on s'est vu j'étais en train de vous parler hein, littéralement. Ça c'est exact. Et j'arrivais en hurlant en faisant vous avez tué. Et du coup vous étiez devant moi et vous avez fait ok il y a Ponce et tout. Et je parlais tout seul et en fait j'ai pas capté que j'étais mute. Mon chat a spammé mute. J'ai pas capté. Oui je t'ai dit assez vite mais j'ai eu peur que tu répondes pas parce que bah oui non, je t'ai dit à la fin je pense que tu es mute toute fin. My bad. Non. En gros, j'ai entendu le tir, mais de loin. Je suis venu de loin. Et quand je suis arrivé, bah, j'ai vu l'outil au loin. Je me suis approché et on a parlé. Enfin, je parlais tout seul, mais. Mais voilà. Tu vois, en gros, Kalen, ce qui s'est passé, vu que je crois pas Wingo, ce qui s'est passé, Kalen, c'est que vraiment, on a vu un loup transfo, on l'a mis en rouge, on n'a plus jamais revu le loup. Et la seule personne qu'on a croisée dans le coin, c'est Ponce, tu vois. Et on était quasiment sur Wingo, en fait, d'avant, et il y a eu deux kills. Ouais, et de l'autre côté, il y a eu un autre loup, c'est sûr, parce qu'en fait, nous, on était tous sur la plage. On était vraiment. Il y avait Bitel, Tsuna, Nae, Onu, on était tous sur la plage. Il y a un loup qui est arrivé de la forêt, puis forgeron, puis il a tué tout le monde. Moi, j'avais une potion de célérité, donc j'ai pu. Mais attends, mais j'ai pu m'enfuir. Mais c'est sûr, c'est Wingo. Bah attends, mais vous avez pas tué du coup, Flanflon? Bah oui, ça peut être Kalen. On a tiré mais une balle. Et je lui ai expliqué qu'avec deux balles, on pouvait tuer, mais le loup était full vie. Donc quand on l'a touché, on l'a juste mis dans le rouge. C'est ça, simplement. Et est-ce que la vie du loup descend? Et c'est détransfo. Comment vous savez qu'il s'est détransfo? Bah parce qu'on l'a plus vu et que j'ai couru dans la zone. Et la musique s'est arrêtée, j'imagine. Il n'y a plus de musique. Il y a plus exactement, de musique. Exactement, tout à fait. Il y a eu tout de suite plus de musique. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est forcément. Mais quand je suis arrivé, il y avait le portail de TP sans TP dedans. Tu sais, le truc en pierre. Il n'y avait pas le truc bleu dedans. Oui, mais des fois il n'y est pas forcément. Des fois il y est, des fois il n'y est pas. Non, des fois il n'apparaît juste pas. On se met d'accord, Ponce ou Wingo d'abord? Bah, Kalen et Wingo, de toute façon, tu vois bien que Ponce il défend un peu Wingo aussi, donc à quel moment j'ai défendu Wingo? Là, à l'instant, tu viens de dire, ah bah du coup, il n'y a eu pas de mort, vous savez pas. Enfin bref, à chaque fois qu'on dit que c'est Wingo, tu essayes de t'en sortir aussi. Ponce, fais-moi confiance, vote Kalen. Mais fais-moi confiance. Quel est le rapport avec Wingo dans ce que j'ai dit? Il n'y a aucun rapport. Vote Kalen, Ponce, fais-moi confiance. Non, mais tu essaies de reprendre la conversation au moment où, quoi. Dommage, Wingo. Et puis là, t'es le. Ok. Bah là, du coup, en vrai, il faudrait que je trouve. Il y a un niveau là, il y a un niveau trop chaud pour moi, je crois. Oh, je sais plus ce que c'est, vert. Vas-y, est-ce que vert, c'est l'épée? On va prendre avec le fun, de toute façon, si on doit mourir la première nuit, on mourra la première nuit, il en faut bien une. C'est pas grave, vas-y, on boit. C'est quoi, vert? Ah, ouais, c'est l'épée, vert. Putain, mais oui, en plus, on me l'a dit au début du round, je suis teubé, moi. Analysons la situation, il reste que Ponce en lice pour loup-garou. Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être il est en train de chercher des gens. On rappelle que Ponce dit que c'est lui qui a le meilleur ratio loup-garou, genre loup-garou-ponce imperdable. Malheureusement pour lui, là, je pense que ça se dirige vers une petite défaite, ouais. Il est tout seul, ils sont 1, 2, 3. Bon, en vrai, quand t'es là et que tu vois personne, bah, j'aurais fait exactement comme j'ai fait tout à l'heure, en mode tu passes dedans, t'as rien à perdre. Ouais, voilà. Après, t'arrives dans un endroit, il y a peut-être personne, mais... Là où t'étais, il y avait personne de base. Ah, il a vu. Ok. S'il arrive à voir une seule autre personne, c'est gagné.
C'est chaud si les deux sont ensemble par contre. Aïe aïe aïe. Ah, je pense que les deux autres sont ensemble et que... Ah oui, il l'a fait exprès. Ouais. Là, si Kalen est mort, c'est sûr, c'est bon, voilà. Ouais, ok. Re. Re. Pourquoi bon, si Kalen est mort, c'est sûr que c'est moi? J'ai croisé personne de toute la nuit. En gros, moi, j'ai expliqué à Flonflon que bah, l'objectif, c'était qu'on se sépare parce que si tu faisais un double kill sur nous, ou si le loup faisait un double kill sur nous, c'était fini. Donc, on n'était plus que 4. Fait 2 kills, c'est du 1v1 et c'est fini. Et ensuite, on a voulu se séparer un peu, sauf qu'on a vu qu'il y avait le téléporteur pas loin. Donc j'ai dit, bah vas-y, viens, on joue close tous les deux. Comme ça, moi, au pire, je vais TP, tu vois. Et lui, il avait célérité en plus. Et du coup, on a passé la nuit ensemble et Kalen est mort. On est resté vraiment pas loin l'un de l'autre. Donc il aurait kill, je l'aurais vraiment entendu. Enfin, ouais, j'aurais entendu. Non, mais oui, non, mais je comprends. Bah, là, c'est ça, ça, c'est ça. C'est ça qui est vraiment. Là, t'es tombé dans une configuration. On était vraiment bien de notre côté, en fait. Genre, mais vraiment. Mais on tu était... m'as mis le doute, sa mère, quand même. Hein. Mais je sais pas pourquoi j'ai. Je sais pas, j'ai senti Wingo, j'étais pas sûr parce que j'avais pas l'info, mais toi je le sentais. Bah ouais, trahi par le Peter Fou quoi. J'adorais le Peter Fou, c'était un bon personnage. Trahi par le Peter Fou qui t'a quand même tout expliqué de comment faire. Oui, c'est adorable, c'est adorable. Mais comme m'a dit Luthi, il manquait un petit détail sur le kill que t'as pas dit. Voilà, c'est ça. Attends quoi ? Le fait de récupérer une deuxième balle, de tirer une première, récupérer une deuxième, tirer. Alors. J'ai littéralement dit, tu peux qu'avoir qu'une seule balle sur toi. Tiens, il y a une balle devant toi, recharge. Genre, je lui ai tout donné, hein, quand même. Ah, après, mais tu l'as pas réexpliqué la possibilité de one-shot un loup-garou avec deux balles. C'est ça que je veux dire. Oui, effectivement. Oui, oui. Mais comme il n'avait pas de balle sur lui, tu pouvais pas lui expliquer parce que tu étais en mode, vas-y, prends la balle. Que bah, c'est ça, j'étais en mode, prends celle-là. Ah, ouais. C'est ça. Bah, là, j'ai. Dommage. J'ai défait un loup-garou pour plus. Bingo, le petit coquin, il a fait tellement de kills. Bingo, la machine. Et c'est pas dommage. J'ai un petit truc à raconter. Bien joué. Le début. On aurait dû gagner normalement, mais début de la game, je sais que je suis loup. Et qui est-ce que je vois à côté de moi? La première personne que je vois, c'est Flonflon. Tu vois, je suis en mode. Non. Mais non, c'est pas sûr, pareil sur le T2. Ouais, je vais pas me transformer en fumée, tu vois ce que je veux dire. Et donc, je fais un petit tour et je vois Onutrem en crawling complet derrière un bâtiment. Je suis en mode, qu'est-ce qu'il prend, tu vois. Donc je me transforme, je le bute. Et là, j'entends la porte du phare qui se ferme. Je suis en mode, je sais que c'est Flonflon qui est là-dedans, tu vois. Et genre, j'ouvre la porte, il me met une balle. Et là, on faisait que de ouvrir, fermer. Oui, c'est ouvrir, ça, fermer. En fait. Ah, il s'est foutu de sa gueule. J'étais en mode, non, mais je n'accepte pas de le tuer. Vraiment, round 1 comme ça, tu vois. Et j'étais en mode, on va voir comment la game super important, en fait, quand même. Mais l'avantage, c'est que personne m'a suspecté du coup, parce que personne savait que ça pouvait être moi à ce moment-là et tout. Donc en vrai, c'était un round free où je savais qui était le chasseur. Onu était dead, donc bon, ça. Ouais. Bon, c'était jamais. Si vous, c'était gentil pour sa première game. Si tu tuais Flonflon, ouais. Effectivement, après, mais ça se serait bien enchaîné pour avec vous. Avec Flonflon en moins, comme il a pu tirer des balles plus tard qui nous ont fait chier, ça aurait été plus facile. Ouais, t'aurais. C'était vraiment une bonne game et je pense que bah, pour toi c'était une game qui t'a apporté vraiment toutes les. Ah bah là j'ai tout compris, merci à Luthi et à Ponce de m'avoir expliqué un peu. Game tuto, hein. Ah, vraiment parfait. Hein, Luthi, ouais, Luthi, la fin giga tuto, à la fin j'étais dessus. Oui, il m'a j'ai tout expliqué. Même Ponce au début m'a très bien expliqué avant de me péter dessus. Bah, du coup, ils étaient vraiment stack quoi. Je m'en remets pas du piège que je me suis pris moi. On m'a volontairement mis dans un piège. Je suis désolé, non, ouais, je suis désolé, non. C'est moi. C'est vrai qu'on en a pas assez parlé du sacrifice de Nao, quand même. As-tu des questions encore, Flonflon, avant qu'on relance? Non, franchement, c'est hyper limpide, hein. C'est très compréhensible, il y a zéro souci. Vraiment. Et bien, moi, j'ai... T'aimes bien les poireaux, Anaë? Ah ouais, de ouf. Ouais. C'est mon légume préféré. Super. Une petite soupe et tout, je kiffe. Ouais. Génial. Ok. T'as trouvé de la bouffe? Ah ouais, j'ai cherché un peu par non, là, j'ai ouais. J'ai pas mangé là, il reste un fromage. J'ai laissé un bout de fromage ici. Ah ok. C'est un mec sympa, parce que j'ai eu beaucoup de trucs dès le début, puis j'ai pas couru. Et comme t'as un lapin, je me suis dit, un lapin, faut en fait. Ouais, je sais, je suis quelqu'un. Le type. Est-ce que t'as encore sniper? Tu joues encore Anna? Non. Luthi, j'ai Anaïs, tu vois, elle est en jaune, elle est couleur post-it un peu, tu vois. Ouais. C'est tout? Ouais. Ouais.
Bah voilà, là, tu es un post-it. Grosse info. Super interaction. Attends, je vais prendre la potion, mon dessus. Vas-y, vas-y. Va de safe, Nao, en vrai. Ouais. Tu crois pas? Il faut que tu sois. Et... Non, 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 c'est mon post-it, c'est mon post-it. C'est mon post-it. Attends, attends, elle peut pas, on peut pas que 4 fois, on peut pas que 4 fois, on peut pas que 4 fois. Attends, 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 on peut pas que. Ah, mais j'ai déjà pacte avec Nao. Ça fallait me dire, ok. Mais c'est ce qu'elle dit. J'ai compris qu'elle était post-it, j'ai pas compris. Bah oui, mais. Ouf. On est 3 contre la bande. Je suis le 3ème loup pour cette game. Ah, le 3ème lapin. Envie de prendre nos zaps. Ok, en vrai, y a personne, j'ai rien vu, je vois R. Tu que c'est con. Donc, okay, oui, y a un loup qui s'est dit que forcément non, il allait pas pouvoir tuer tout le monde. Wingo, t'as pas envie de dans les discussions. Il y a un loup parmi vous, nous on était que 3, on était avec du coup sur cette nuit là, Anao et. Anao putain. Bah ouais. Anao. Que je peux Anao. Safe sur cette nuit parce qu'elles se sont pas transfo, mais je n'ai aucune idée. Mais si y'a pas de. Non, mais personne ouais, y'a pas de. Nous on était tous les deux ensemble. On est personne ne meurt. Tout le reste ensemble. Y'a personne assez. Y'a pas eu de musique non plus. C'est. Moi je vois plus qui. Gay save des gens. Mais non, mais je save pas. À chaque fois que sur le premier round, t'es en mode ouais, les gars, je peux save ces gens-là, c'est parce que t'es loup et. Ouais, c'est suspect, je suis d'accord. Je suis grave d'accord. Ok, je suis grave d'accord. Si j'avais fait le soupçon, je. Quoi? C'était quoi le deuxième quoi là? Il était encore plus suspect le deuxième quoi. Mais on était à 3 toute la nuit, c'est impossible. Ok, Anaé. Mais Anaé, on était à 3 en Chile? Mais non, mais Anaé est chasseuse. Ah, ok. Non, pas de ouf, mais. Non, je lui ai dit que j'ai cru qu'elle m'avait menti, du coup je lui ai demandé si c'était chasseur. Moi je vais mettre chasseur, donnez-moi le chasseur. Je ne veux pas être le chasseur. Ok, bon bah je parlerai plus hein, du coup. Ouais. Non, mais oh. Maintenant, Galen il aurait pu dire pareil avant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, genre? Je pense que tout le monde peut passer, hein, on peut passer. On peut appuyer sur T pour passer. Ah, peut-être c'est Plonflon. Non, pardon, j'avais passé, j'avais déjà passé moi. Ah, ok, c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, si quelqu'un me trouve son innoce. Sens, petite stratégie. Qu'est-ce que c'est quoi la stratégie? Comment on fait ça? Comment on te prouve notre innocence? Bah, je sais pas, si vous êtes par exemple chasseur, vous sortez votre calibre ou. Non, j'ai pas de si, gros fusil. Ah. Non. Est-ce que les TP, TP vers les TP ou pas? Je comprends pas. Une TP, fois TP, sur deux, ouais, je prends. Ouais, quand et tu prends un portail, ça apparaît dans un autre portail. Alors, dans ce cas-là, venez avec moi, regardez. Hein? Il y a Onu qui est là, Onu qui nous écoute depuis tout à l'heure. Oh non, mais la lourdeur Il est où? Il était caché. Ah, bah, il a pris le TP, oh le bâtard. Ah, bah, oui, il a pris le TP. Mais pourquoi il a fait ça? Du coup on peut plus le prendre là. Regarde Nao. Aléatoirement, à un moment peut-être. Ah ça peut revenir. Oh regarde les jolies petites fleurs. C'est ma communauté. Oui c'est vrai. Il y a quelques personnes de ma commu là. Ils sont 4. Bah là oui. Ça... Ils sont weave là. Ça m'est égal hein. Ah mais Onu il est sur le rocher derrière nous. Où ça? Il est revenu? Mais non. Mais Onu, qu'est-ce que tu fais? Onu, pourquoi t'es aussi mystérieux, genre? Mais je croyais qu'il y avait... J'ai envie de faire une game mystère. Comment on monte, là? T'es en full mystère, là. Là, bah, comme ça. Tout droit, quoi. Non. Moi, j'attends, j'observe. Et c'est très simple. Je carry la game dès qu'il y a une merde. Ok. Voilà, je vous le dis. Ouais, mais c'est ça, c'est un peu un cheat code, non, ouais, de ça, monter là-dessus, là. Ça requiert un petit peu d'entraînement, mais ça se fait. Hein. Ah, alors, oh, voilà, bah, tu vois, Nao a réussi. Wow, ouais, mais c'est dur quand même, en vrai. Bah, il faut après, vraiment Nao être sur le aussi, donc, truc du côté, là. En vrai, c'est chaud de fou, là. Bien joué. Et ben voilà. Super. Et bien, on peut redescendre, du coup. Bonne journée.
Oh le bâtard, il y a un mémodo. Tu sais, je te montrais les quatre fleurs, Nao. Ouais. Ah, ils sont quatre et tout. Il y a un mémodo, il a dit ouais, bah c'est un stream World of Warcraft. Voilà, quand je stream du WoW. Oh, c'est bâtard trop de... rude. Voilà, je stream du WoW. Il est passé où, Kalen? Plutôt save ces deux-là. Hein, pardon, oui, je me faisais une réflexion. Ah, moi, j'aime bien cet aspect pastacosi. Bon bah truc de fou là. Hein. Ça, la game, je peux pas attaquer. Je peux pas attaquer parce que j'ai un temps avant de me transformer et j'arrivais pas à monter sur le caillou où était Onu. C'est qui Natsu ? Je pense que le loup c'est Nao, arrête de bouder là, retourne-toi. Excusez-moi, j'étais en bizarrement lui est encore en vie. Toi tu parles en verlan, toi tu j'ai une question. T'étais pas avec Tsuna quand je vous ai laissé tous les deux après ? Tiens. Si j'étais avec Tsuna, c'est la même question que j'allais te poser parce que moi je me suis cassé à peu près au début de la nuit quand elle a pris sa potion et après je suis parti et je me suis retrouvé dans la colline un peu plus haut parce que j'ai pris le téléporteur pour me rendre colline et du coup bah j'ai parce pas que moi quand je vous ai quitté, je l'ai entendu dire je vais prendre une potion, je sais pas ce qu'elle fait et après j'ai plus entendu parce que je me suis cassé de vous étiez tous les deux. Bah, est-ce que t'as entendu et après c'est là où j'ai je suis parti dans les herbes. C'est pour ça que je vous dis que c'est trop dur de jouer avec Onu parce qu'il connaît tous les glitches de Sama. Donc là, il monte sur le caillou en mode moi j'ai compris qu'il était chasseur, tu vois. Donc à tout moment, il me mettait juste une grosse balle dans la tête. Donc on est alors que j'essayais de monter sur le caillou. Le téléporteur qui était au village, le village fermier. Au fond du village, derrière le roulin, c'est ça? Ouais, exact. Ok, bah l'utilisez-vous, les gars. J'ai très envie de faire pipi. L'utilisez 100%. Alors. Donc, donc nous, on était. Vous voyez le moulin qui est à la sortie du village principal. Donc on était avec Anna et Bitel à cet endroit-là. Et il y a un loup qui a donc traversé le village fermier. Et nous, on attendait de savoir qu'est-ce que le loup était en train de faire. Et on n'a jamais vu le loup jusqu'à la fin de la journée. Donc moi, j'étais en mode, il s'est détransfo. Mais du coup, le scénario est parfait de détransfo TP qui t'amène jusqu'à la colline. Et du coup, ce serait exactement l'utile. Et il y avait vraiment personne d'autre. Ah, c'est dans exactement les parages, ça, sauf que je me suis jamais transformé parce que je suis pas le méchant. Mais c'est exactement ça. Genre, il y avait un loup qui était là-bas. Je me suis caché, j'ai pris le TP et je suis arrivé. Et je vous ai d'ailleurs accepté une partie de la vérité pour masquer le mensonge. Je suis même arrivé sur la colline et je vous ai vu. Vous étiez tous autour du moulin qui est derrière nous. Vous étiez trois ou quatre à être autour du moulin et je vous ai vu au loin. Et là, du coup, ça vote pour moi. Ça fait plaisir. Honnêtement, Luty, on va pas te mytho. Avec Kungo, on avait prévu de te fumer au prochain. Fois, pas ça. Cas, pour le coup, c'est enfin en vrai, bah c'est comme vous voulez, mais moi je suis pas méchant pour le coup. Donc skippez si vous souhaitez m'aider et bonne chance aux autres du coup. Skippez si vous souhaitez m'aider. Non. Moi, je... Mais là, vous regardez 4 contre 3. Moi, je sais. En plus, je suis un peu bilgueuse, moi. Attends, mais si elle est morte là. Bah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, mais c'est le cadavre de Tsuna. Ouais, c'est Tsuna, mais est-ce que ça veut dire qu'elle s'est pris un trap et elle est morte de faim? Ah, bah, c'est possible. Hein. Ou alors, elle était bloquée là et le loup s'est. Enfin, du coup, elle était bloquée, elle s'est fait bouffer. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec Wingo la game d'avant. Petite question. Vous savez ce que ça fait la potion verte? Non. Attends, est-ce que c'est dans cette game où j'ai pris une verre et j'ai pété? Moi j'ai pété tout à l'heure, mais je me souviens plus de la couleur quoi. C'est ça ouais, même... pareil. Bah vas-y, prends et puis on boit. Hein. Ouais. C'est quoi? Oh la vache. Ah bah c'est l'hérité, je crois. Ok. Merde. Ah. Arrête. Ça dure combien de temps? Ah c'est bon. Alors là. Viens ici. Voilà. Ok. Laisse Anaï tranquille. Il y a des pièges partout? Ah non.
Loulou. Il arrive. Ponce est mort. Ouais, j'ai bien entendu un loup. Ah, alors pourquoi, si Ponce est mort, c'est Naomi. Il y a un loup qui fait un kill par un kill, il a pas très faim, c'est ça. Pourquoi si. Pourquoi avec si. Avec modération. Pourquoi si Ponce est mort, ça serait donc forcément moi. Parce que je sais que tu as une haine viscérale envers cet homme. Bien sûr. Ah, ça c'est vrai. Hein. Il l'a tué où, Nao, Ponce? On l'a entendu plusieurs fois. Donc, je l'ai pas tué, en plus j'ai passé la nuit avec Anae. Oui, comment ça? Ça m'aurait fait hurler de rire que Anaï fasse. Attends, mais Kalen, de quoi tu parles? Après on s'est divisé quand on a vu le loup arriver sur nous. Oui, mais on s'est divisé. Moi je suis allée dans la forêt et toi tu as couru dans l'autre sens. Kalen. Ah, attends. Donc attends juste deux secondes, Nu. Donc oui. Anaï, t'étais avec Nao, vous avez vu un loup. Ouais. Oui, il y avait un loup. On a vu un loup. Bah, soit Lutti n'était pas loup, soit Nao n'est pas loup. C'est forcément une des deux parce que si Nao est loup, bah Lutti n'était pas loup du coup. Bah oui. Par contre, si Wingo était... Non, ça serait trop. Non, ça serait abusé. Non. Par contre, Kalen, t'as pris le portail où, toi? J'ai pris le portail dans la forêt. J'étais avec Anae. On a entendu le son du loup. Et à la fin de la journée, je lui ai dit, je prends le TP. En mode, j'arriverai peut-être à un endroit où je vois le loup ou quoi. Et j'aurai des infos. La team Villageois & Co. On est à 815 sur 1200 sur ce game. Donc. Ouais, mais ça va pas être facile à terme. Ça se farme. Franchement, ça se farme. Ouais, j'avoue que je sais pas, là, Non, j'ai pas plus d'infos que ça. Attends, mais est-ce que. Il peut y avoir en fait deux loups là. Il peut y avoir deux loups. Hein. Dis-nous, il peut y avoir deux loups. Dis-nous, Flonflon, parce qu'on t'oublie depuis tout à l'heure. Mais ah, c'est vrai, Flonflon. Non, je suis là. Moi, je vous écoute. J'étais dans mon coin, tranquille. Je mangeais. Il manquait une variable à l'équation, j'avoue. C'est vrai ça. T'es parti où, Flonflon, quand on a quitté. Enfin, on s'est séparé au niveau du village ici, là. Je suis resté dans le village pour faire le tour de toutes les cabanes pour manger. Tiens, bizarre. J'ai même. J'ai entendu musique, le loup, tout ça, mais après j'ai mangé. Ah oui, ok. C'est dingue. Ça. Ok. Si c'est dans la musique, elle fait quoi la musique? C'est le mec horrible. Okay. L'enfer. Genre vraiment, c'est. Ah oui, ok, bon. pour l'instant, mais. Non, mais je pense qu'on farm. Allez, on je lui laisse le bénéfice du doute, mais bizarre quand même. Ouais. Chelou. Bizarre. Disons que t'as encore ton immunité des premières games, mais attention. Disons que elle saute au bout de la cinquième. Hein. Allez, ah oui. Allez, trois. Oh là là. Hein? Bitel, Wingo, pourquoi tu cherches Bitel? J'aime beaucoup Bitel. Non, j'ai passé de nombreux moments d'aventure et puis Nao en plus tu vas me buter et tout, donc je vais être trop chiant. Pourquoi? Mais ouais, absolument. Oh yes! Oh non, j'aurais dû la garder pour la nuit. Oh, si je marche là-dessus, je meurs. Genre, c'est pas une vanne. Ah bon? Pourquoi? Oui. Si t'as pas assez de vie, tu peux mourir dans le piège. Oui. Ah bah ouais. Avec les dégâts que le piège fait, quoi. Pas juste de fin. Ah oh! Ah bah si la game est pas terminée, ça veut dire qu'il s'est trompé. Mais attendez, mais quelqu'un est mort? Il s'est trompé. Et ce qui est chiant, c'est qu'il y a une balle dans cette maison là. En vrai, je t'avoue que je vais pas. Bah, je vais peut-être pas prendre ma potion là maintenant, mais. Oh, vas-y, je la prends maintenant. On aura pas le temps, on a pas le temps. Oh, je me tais. Oh la vache. Ok. Bah, Nao, dommage hein. T'as ramassé des pièges, c'est ça? C'est juste ultra rapide. Attends, j'entends un truc. Attends, je veux pas. Arrête, c'est dur d'esquiver le piège. Wingo, viens là. Wingo. Non. Ah. Oh non. J'ai perdu. Wingo. Bah, c'était trop chelou. Aïe aïe aïe.
45. On est à 1000, attendez. Attendez, je vais vous aider 45. Un peu. Oh, bon, et ben, les amis, c'est malheureusement, Nao, hein. le verdict est fait. Hein, je peux aïe, vous le garantir. Aïe, aïe. La personne en face de moi s'est transformée face à moi, mais j'avais une potion de célérité. Oh, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et par contre, j'ai eu le temps de tuer Onu avant qu'il boive sa potion, alors. Oui, Nao a tué Onu avant qu'il boive sa potion, il a tué Kalen juste derrière. Donc mais j'ai pas compris, il est sorti nulle part pour mourir, je sais pas. Moi j'ai tué Fouflant pour éliminer des probas. C'est vrai que j'aurais pu essayer de dire que c'était Wingo, j'ai du mal, j'avoue. Non, c'était pas possible. Non, mais que tu sauras pour la prochaine fois, tranquille. Non, parce que Wingo était avec moi toute la game, donc, et vu qu'on t'a vu... Mais attends, mais c'est pas possible qu'il soit avec toi toute la game. Parce que là il était avec moi. Donc, on a une seule transfo, tu vois. On a couru dans les champs et entre les pièges tous les deux. Donc il n'était pas tout le temps avec toi, je proteste. Comment elle dit ça, j'adore. GG. Aïe aïe aïe. Eh, nickel, GG. Projet. Allô. Et par contre, attendez, j'ai une question. Qui était Lou du coup? Bah, Luti et Nao. Luti, ouais, mais alors, mais c'est passé quoi la nuit, la dernière nuit, alors, la fameuse là où on a. Moi, je croyais que c'était vraiment flanflon, du coup. Non, il y a eu un cafouillage, et c'est juste que Bitel, en fait, au d'un moment, je le croise, il me pointe son flingue, je fais, mec, je sais que tu vas me tuer alors que tu vas faire une énorme connerie. Il a dit, mais j'ai envie de le faire. J'ai tout vu. Je vois à travers les yeux de ton personnage que tu veux le faire, et il m'a tué cet enfoiré. C'est semblant, gratos. Je Je suis désolé, mais il était trop bizarre. Il s'est fait oublier pendant tout le feu et après il fait non, moi bah, j'étais tout seul. J'ai fait non, frère, c'est pas possible. Après, là, mais... il arrive à Flonflon, ce qui m'est arrivé à moi, même si j'ai pas très bien joué. Ça jouait trop pack sur cette game, vraiment beaucoup trop pack. N'importe qui loup-garou aurait trouvé ça un enfer, les gars. Alors, j'ai une plainte. C'est vrai qu'on joue un peu pack pour les loup-garous. Je veux me plaindre de Onutrem qui monte sur des cailloux où moi je savais pas comment monter en fait. Oh, ça va, on y allait. Il abuse des techniques. Alors tu peux faire un ticket au support. Ouais, bah je vais faire ça. Et parce que du coup j'étais en mode bah c'est mort, je peux pas me changer, tu vois, parce que lui il va rester sur son caillou et moi je sais pas comment monter dessus. Bah t'as réussi à monter. Oui, mais bon, à la fin de la nuit quoi. Est-ce que il y avait un pacte entre Anae et Nao de non-agression? Oui, tout à fait. Parce que bah excusez-moi, je suis obligée de mettre des trucs en place. En fait, je voulais savoir la première nuit ce qui s'est passé, c'est que je croise Anae et Nao et je me transfo devant Anae. Et moi, je suis con derrière, je fais non, c'est mon post-it, elle est jaune. Oui, il me dit, elle est post-it, elle est jaune, et moi, je comprends pas, tu vois. Et là, après, moi, je suis en loup-garou, je fais attends, on a fait une alliance, et hop, je me détransfo. Elle fait oui, c'est ça, j'ai fait une alliance avec Nao, mais je suis d'accord, je laisse tranquille. Ah, mais d'accord, mais c'est pour ça que moi, j'avais rien compris et que je pensais que c'était pour ça, c'était à cause de ça. Il manquait des infos. Bah oui, mais on est obligé pour vous brainfuck. Là. Il y a quelqu'un dans mon chat qui dit pourquoi tu mens mal quand tu dis la vérité, Flonflon. Sac en plus, j'ai un truc. Pourquoi tu mens mal quand tu dis la vérité? J'ai un peu ce truc, effectivement, oui, bizarre. Ouais. Je sais tout pas vraiment t'effondre et en fait, c'est trop bizarre. Ouais. Non, mais pardon, t'inquiète, ça me va qu'il y ait d'autres gens aussi qui savent pas trop mentir. C'est dire la vérité qui sait. Alors, pas, apparemment. Est-ce que vous trouvez que les loups galèrent un peu aujourd'hui? On n'a pas eu de ils n'ont pas gagné une fois après. Mais je pense que c'est pas trop Wingo. Après, c'était des circonstances assez particulières, donc je sais pas si c'est pas. En vrai, sur ma première game, je suis mort normalement. Ma première game, les loups-garous. C'est vrai que celle-là, ils auraient dû la gagner. C'était gagné normalement, ouais, franchement, honnêtement. C'est vrai. Si on joue moins pack, je peux jouer. Mais c'est juste parce que je suis beaucoup loup aujourd'hui aussi, ça joue sûrement. Flonflon, je m'excuse. Ah, t'inquiète, ouais, ça m'a fait rire. J'aurais fait pareil. Après, c'est normal que les loups ils gagnent de manière exceptionnelle en soi. Donc, plus le lobby est serré, plus le lobby est expérimenté, plus c'est dur pour les loups de base. Oui, c'est normal. Donc, là, c'est sûr. Oui, voilà, c'est ça. Et par contre, si on pouvait, même si je suis pas loup après, essayer de pas faire un groupe de 6, genre. Ouais, moi j'essaye de partir quand je vois trop de monde. Ou alors le loup il bute les 6 sans faire exprès, quoi. Mais t'as tout le temps un témoin qui reste. Ouais, mais ils vont se partir dans les sens opposés, c'est impossible. Il suffit de buter tout le monde. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'on pourrait augmenter la vitesse de déplacement des loups. Mais... Pourquoi pas, c'est marrant, mais moi j'ai raconté la vérité comme le disait Nutrem. En fait, j'étais en loup, je me suis TP et je suis arrivé sur la colline et je vous ai tous vu autour du moulin. Je voyais que c'était le début du jour, j'étais en mode je suis foutu, tu vois, genre je fais rien. Ouais, bah ouais.
Ouais. Après, un bon enchaînement, gens, quand... ça peut carimer. C'est vrai que c'est pas après, quand les gens ils sont pack, oui, c'est horrible parce que tout le monde te voit et tout, mais c'est aussi un bain de sang si jamais t'arrives à tuer. Ça peut être un bain de sang, ouais. Si, ouais, en fait, mais en fait, ce qui est frustrant, c'est quand ils sont packés que tu les vois jamais le pack. Mec, ça peut partir. C'est ça, mais quand t'es pas dans le pack, c'est ultra frustrant, tu vois. T'as aucune info à donner, tu peux rien faire. Ouais. Mais ouais, la vitesse des loups, c'est pas mal comme après, ça. Après, malheureusement. Vous montez de 10% seulement, c'est pas énorme. Ouais. C'est toujours, c'est toujours le même problème sur le jeu de Mensonge et Trahison. Ça a toujours été comme ça. Among Us, c'était pareil. Hein, donc, c'est compliqué aussi. Tu vois. Après, les CPI sont là pour s'adapter aussi au lobby. Oui. Et là, quand on arrive, quand un loup, il arrive pas à nous choper, généralement, c'est souvent grâce à des objets maintenant. Donc le fait qu'il court plus vite, c'est très souvent grâce à la potion. Oui, clairement. Esquiver plus de choses, rattraper des gens. Alors, ils vont pas aller plus vite que la célérité, mais en tout cas, ils vont moins se faire tracer, quoi. Oui. Ouais, mais y a surtout, s'il n'y a plus personne là où ils sont, ils pourront changer d'endroit plus facilement. Parce que là, souvent, si tu tues une, même deux personnes, s'il n'y a personne d'autre dans ton village, le temps de traverser la map, t'es foutu un peu. C'est fini. Ouais, mais là, tu peux avancer un petit peu plus. Et c'est vrai que, mine de rien, il y a aussi un aléatoire qui joue. C'est bon, qui va être loup-garou et où tu vas popper les nuits. Mais l'aléatoire qui joue de ouf, c'est quelles vont être les potions. S'il y a deux potions d'escape ou alors s'il y a trois potions c'est complètement différent pour les loups. La game, elle n'a rien à voir. Totalement. Voilà. Mais bon, c'est cool, j'ai juste fermé la gueule le premier du coup. Ouais. Et il y a quelqu'un qui a une idée pas mal, c'est genre pour éviter que les gens se packent trop, c'est qu'il y a un petit boost de vitesse peut-être de 5 ou 10 secondes, j'en sais rien, quand un loup-garou tue quelqu'un. Et ça, peut-être oui, que j'avoue, ça peut snowball, ça c'est une très bonne idée, ça. Ça, je suis c'est une bonne idée, ouais, je suis d'accord. Ouais. Tu vois, genre, si t'es pas. Ouais, ça forcerait les gens justement à vraiment se speed parce que s'ils sont groupés, ça va être vraiment le vrai bain de sang pour le coup. En gros, le loup, il prend un kill, concrètement, il enchaîne tout le monde. C'est Darius sous ulti, quoi. Il met un ulti 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Belle ref. Belle ref, belle ref. Vraiment. Tristana, ou alors Tristana, c'est un peu le même principe. Non, moi, j'ai Katarina, ou plus Jinx, non ? ZR. Jinx, ouais, c'est un peu Jinx aussi, en fait. Ah si, Jinx, à chaque fois qu'elle tue, elle accélère. Ah, c'est littéralement Jinx. Je me suis même ramené un petit saucisson. Ok, ok. Ouais, faut avoir le reset, quoi. Ok, parfait. J'avoue, en vrai, globalement, le jeu est perfect, quoi. J'aime beaucoup cette idée, bravo. Tu J'ai quoi, l'idée ? Je l'ai pas entendu. Ils ont dit quoi ? Wingo. Salut. Hein, bonjour. Wingo, c'était quoi l'idée ? J'ai pas entendu. C'était quoi l'idée ? Bah oui, la game s'est lancée sur. C'est une bonne idée, voilà. Ah. Ok. Écoutez pas. Je me souviens plus. Ok, moi non, pas de soucis. Il a eu la potion de TP. Ok. Alors moi je pense parce que Onu a fait une expression un peu bizarre. Je pense que Onu est alchimiste. Mais comment et tu... Onu, t'es alchimiste ? Non. Sinon, j'aurais pas pris la potion. Si, t'es alchimiste. Pourquoi ? Tu l'aurais pas pris ? J'aurais pas bu ça, sinon. Ouais, peut-être, ouais. C'est pas faux. Moi, j'ai une potion rouge. Ouais, c'était quoi, là, ta couleur ? Il y a personne ? Il a dit la couleur ou pas ? Il a pas dit la couleur, je crois. Bon, je tente. Now ? Ouais. Je sors. Gentiment, on peut aller chacun dans. J'entends bien. Ouais, c'est la rouge. Enfin, j'entends bien, j'entends rien, mais j'en. Enfin. Ok. Oui. T'entends tout ce qui va au loin, quoi. Ouais, bah, j'entends pas grand chose. Il y a des gens vers où, tu penses ? Village principal. J'ai cru voir quelqu'un dans une maison. Tiens, il y a de la bouffe là. Ça, je suis bien niveau bouffe. Moi aussi, ah, je suis. Là, sur, Ah oui. Au niveau de la plage, là, il y a Anae et il y a le cône de chantier, Anae c'est qui et... C'est Kalen. C'est Bittel, ouais, c'est Bittel. Ah, c'est Bittel. Je crois que c'est Bittel. Hein. Ok. Ben, ça sert à ça, l'audition, ça sert à entendre leurs conneries, mais de loin, quoi. Ils parlent de bras, ils parlent de bras qui bougent. Oh putain. Oui, il faudrait mettre des emotes sur le jeu. Faut faire des emotes, elle a raison. Elle a raison de ouf. Des emotes. Mais des emotes, un truc qui pop au-dessus de ta tête ou. Kibilibap. Non, ton perso, ton perso. Ouais, pardon. Ouais, ça serait bien. On regarde plus au milieu là. Bon, bah, Onu, j'espère que t'as bien écouté mon retour en tout cas. Bah, en vrai, c'était très intéressant jusqu'à un moment donné. Où tu t'es cassé quoi, tu m'as mis une tornade. Mais tranquille, mais. Onu. Le Mistral. Onu, il y a Anae qui a des suggestions aussi. Voilà. Ah, très bien, bah, je prendrai ma potion de TP et on en parlera à ce moment-là. Ah, ok.
Pas de soucis. Non, des emotes. Des emotes. Des petites emotes. Ah cibotes. Oui, oui, bien sûr. C'est marrant ça. Des danses. Genre un petit coucou, une petite danse. Coucou de loin. Pouvoir pointer, oui. Pouvoir pointer du doigt aussi. Oh, pointer du doigt. Oui, c'est pas mal, ça. Mais oui, vrai, ça, ça j'y ai pensé. Mais pour l'instant, vu qu'on ne voit pas son propre modèle, c'est un peu galère. Mais. C'est vrai. Réfléchir. C'est vrai, on a tous regardé vers le bas quand il a dit ça. Ah, les débiles quoi. Giga jump. J'ai plus rien entendu pendant 5 secondes et c'est revenu. Bah tant mieux. Pardon. Mais j'avais encore le son du jeu, genre le son d'ambiance, j'avais juste vraiment pas vu. Voilà. Ah ouais. Le ah. Discord, ouais, okay. Ah, 5 Discord secondes caché du jeu quoi. Ouais, je pense. Ah. Le Discord, oui. C'est un peu ça, non, c'est quoi qu'ils utilisent comme serveur vocal? Bah vous. Donc du coup j'ai vu hein, que vous m'aviez dit Nao si tu veux des tips etc pour le jeu. Je pense que j'ai bien compris hein, le but du jeu, le tout c'est de réussir à mentir, de faire des trucs un peu optifs, je suis pas très forte depuis le début. Par le loot, il gagne un bout de vitesse, pas un bis. Il y a une bouteille là-bas que je regarde, si jamais il y a une bouteille à looter. Il conserve sa vitesse. Ça à côté de l'église. Ouais, c'est visible. Ah, elle brille, elle brille des fois à l'arrière. Hop. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Là, là, hop là, tu vois. Que quoi non. Là, ça brille, moi, je vois ça pas. Qu'est-ce qu'on regarde là, ça brille, là. Est-ce que, non, est-ce que tout le monde peut passer tout vraiment, comme vous voulez après sur T. Ouais, ça serait cool. Moi. Désolé. Merci beaucoup. C'est con. Non, j'avoue, je suis pas concentré, j'oublie de passer. Plus tu vas jouer, plus tu auras des strats. Bah ça va, ça fait quelques temps que je joue un peu. Non, j'ai pas l'impression que mon skill s'améliore, tu vois. Parce que tout repose quand même un peu sur le mensonge. Je suis pas la plus confortable avec ça, quoi. Mais ton skill s'améliore quand même. Ouais, je sais pas. Mais je trouve vraiment difficile, en plus, avec des joueurs, je te jure, hein, comme Onu, Kalen, etc. Parce que... Je suis d'accord. Ben... Alors, Onu, trop chiant, première nuit, tu sais, il se met sur son caillou, donc en fait, bah, j'étais en mode, bah, je peux pas me changer, parce que je peux pas monter là-dessus, ou alors, si j'y arrive, le temps que je me change, bah, en fait, ils ont tous le temps de descendre. Des droite, comme ça. Ouais, au final, j'ai réussi, mais bon, enfin, c'était le jour se lever, quoi. Et il connaît tous les endroits, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, t'as réussi. Hop là. Bah, ah ouais, bah tu vois. Faire droite avec ta souris, tu te secoues avec ma souris. Ah ouais, d'accord. Voilà. Oh bah tu viens de m'apprendre un truc en vrai. Oui. De ce côté-là, on peut le faire aussi. C'est pas grand-chose non plus, mais j'essaye d'apprendre petit à petit. Ouais. Attends. Je suis pas très forte. Attends, je crois que je suis bloquée. Ah, regarde, c'est bon. T'es pas bloquée. Voilà. Yes. Trop bien. Bon bah c'est déjà un step up de ouf là, mais j'avoue que si je dois m'enfuir, je sais pas si c'est ce chemin que je choisis quoi. Bah j'ai jamais osé le faire en course non plus. Mais j'ai réussi à le faire en entraînement comme ça. Mmh. Je savais même pas que c'était possible. Bon, c'est déjà un truc en plus. Mais oui, non, juste le skill du bluff. C'est dur de bluff quand, en fait, statistiquement, ils savent qui était où à quel instant et par rapport aux morts, à tel degré de tangente. Oui. Enfin, ouais, c'est assez chaud. Déjà, ah, mentir, c'est pas... Qu'est-ce que tout le monde... Oh, il y a eu un tir. Déjà, mentir, c'est pas facile, mais alors là... Tu sais ce qu'elle fait. Mmh. Oh, il y a un zap. Oh. Ouais, mais on peut pas passer tous les deux dedans. Par contre, j'aime trop que ça ressemble vraiment à un zap. Mais oui, moi aussi j'aime bien. S'il l'avait fait rond, mais c'était banger. Verte. J'ai bu quoi comme potion tout à l'heure? J'ai bu du rouge et c'était l'audition. Alors je pense que c'est un truc positif. Non, donc. Le vert, comme ça, on sera. Ah. Ah. Je suis dans ma solitude. Bah je vais prendre le zap. Non, je veux. Désolé. C'est un peu pitié incroyable. De solitude, mais. Hop là, j'ai pris la potion de TP. Je l'ai pris trop, j'ai pris la potion de TP. What? Bah non, j'ai mis mon piège avant qu'il me touche. Donc c'est pas lui. Attends, Suna, Suna, tu t'en sors vraiment, vraiment bien hein, par contre. Moi, j'ai eu un moment exceptionnel. Je j'ai TP tout près de là où il y avait le loup alors que j'étais toute safe avec Naomi, on discutait du japé. Vraiment la dinguerie, Suna. Le TP de Flonflon. Je suis désolé. Mon cœur a skip 3 bits, je pense. C'était terrifiant. Je crois que Vitel et Anaël, j'ai failli les tuer tous les deux, vraiment. Ah, mais mec, mais gros, mais vraiment, je te jure, j'étais en train de marcher tranquille, je discute, et là d'un coup, j'entends. Je me retourne, je vois la tête du fond, je te. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai pris une potion de téléportation et ça me téléportait random à côté de d'autres joueurs, en fait. Je pouvais pas choisir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la Calonne là, non? Non mais attends, c'est pas qu'il arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez une info de fou après? Oui. Bah les deux loups sont transformés et ils me suivaient et il y en a un qui a décidé de me suivre uniquement. Il s'est pris mon piège, je me suis enfui, mais il y avait deux loups transfo et du coup Anaï peut me le.
Il y avait deux loups transfo. Effectivement, mais pas que. Que Flonflon potentiellement. Il y en a un qui t'a atteint en prenant le TP alors. Ouais, parce qu'on avait un village pêcheur qui a pris un TP. Est-ce qu'il y en a un qui serait arrivé rouge après avoir pris le téléporteur? Nous, il y en a un d'entre nous, je ne citerai pas son nom pour pas de le dévot, mais il y avait le chasseur, il a touché le loup juste avant qu'il prenne le TP. Il a touché le loup, ouais. Alors, il y avait deux loups qui étaient village principal et un m'a suivi dans la forêt et l'autre est resté village principal. J'ai l'impression de ne pas avoir vécu la même game. Après, ils se sont regroupés. Il y a le soleil qui me suivait, courait vite. Grave. On était sur les cailloux là. On était en date là. Les cailloux. Genre, t'as pas remarqué qu'il y en avait un qui allait lentement? En fait, je me suis dit que c'était étonnant que le deuxième me suive pas du coup. Donc, c'est possible. Celui du village. Du coup, Wingo, t'as quoi à dire pour ta défense? C'est-à-dire moi, je me suis retrouvé caché justement dans une maison village principal et justement quand Suna s'est TP, je lui ai dit fais gaffe parce qu'il y a un loup qui est en train de revenir de la colline parce que et justement j'étais full caché donc en vrai je témoigne de ça, il a couru dans la maison et je l'ai vu dans la maison. Je l'ai vu dans la maison courir et dire Tsuna, attention parce que moi j'ai eu une TP. Et je me suis en fait, à la base, j'étais genre chillax avec Nao et tout, on prenait du bon temps. Et là, paf, j'ai pris une potion de TP. Bon, je suis arrivé en plein milieu du village principal, en plein milieu de l'action. Je sais pas, on était chill, on regardait le zap et tout, c'était... Ah. Oh non, elle a été coupée dans son truc alors que c'était trop mime. Qui es-tu? Bingo. Ah, alors. Oui. Attends. Oui, c'est bon, toi, il y a Tsuna qui t'a TP dessus, c'est ça? Mais là, en fait, là, on peut déduire qui c'est en vrai. Moi, et dès que j'ai entendu Tsuna, j'étais en mode run parce qu'il y a un loup et t'es dans la merde quoi. Genre, et elle s'est vraiment joué. J'ai entendu dire ça avec sa vraie voix et la musique. T'étais avec Tsuna quand t'es TP au début. Ah ouais, nous on vivait une autre life. Franchement, on n'a pas du tout vécu la même game. Elle a pris une potion, elle s'est TP. Vous avez pas trouvé des trucs? Il y a des trucs là-bas, je crois. J'ai pas loot ma maison, je crois. Mais t'es arrivé dans l'horreur alors que nous ici c'était trop peaceful quoi. Grave, vraiment on était trop peaceful. J'ai pris la potion et là je suis arrivée, il y avait la musique du rouge partout. Qui criait cours. Et du coup, t'as vu qui en vivant? Enfin, en chair et en. Mais juste Wingo. Et j'ai vu quelqu'un courir dans la forêt, j'ai reconnu courir dans la maison et j'ai reconnu sa voix surtout. Oui, moi j'étais dans une tour, j'ai vu deux loups transfo au loin, j'ai vu Onu courir, je sais pas si c'est transfo mais je pense. Il y a Onu dans la non, oui c'est Onu. Tu sais ce que fait la potion bleue ou pas? Bleu non, mais rouge c'était audition et vert c'est TP, donc il y a des chances que rouge soit le mauvais truc je pense, non? Oui, alors mes calculs sont pas bons. Que bleu soit le mauvais truc. Ah! Oh, c'est Wingo! Oh, c'est Wingo! C'est Wingo! On est... Si tu m'entends. C'est Wingo! Aïe. Je pense qu'il y a moyen que Onu ait assisté à toute la scène parce qu'il était dans la forêt. C'est Wingo! Après, il a bien clean le village là, il est fort hein. Oula, il y a quelqu'un qui est très très chill ici. Bon. Quelqu'un a pris une potion de téléportation. Ou d'invisibilité peut-être aussi, j'oublie ça. Ah, oh, il va se changer et faire genre. Wagon, j'étais spoté, je suis invisible, je t'ai vu. TP. Il est reparti direct. Oh putain, attendez, il vient de se passer une dinguerie. Tout le monde est passé une dinguerie. J'étais dans le village avec Ponce et Flonflon. J'ai pris une potion d'invisibilité. Il y a le loup qui est arrivé. Il a tué Flonflon, ensuite il est allé se cacher dans le moulin, il s'est détransfo et c'était Wingo. Et j'étais invisible devant lui. Ok, et moi j'étais avec Onutrem et Beetle dans la forêt. Beetle m'a aidé dans la montagne. Beetle m'a aidé à récupérer une comment ça s'appelle? Une balle. Une balle. Ensuite quelqu'un a pris le téléporteur. Je sais pas qui c'était. C'était moi le téléporteur et je me suis retrouvé dans les champs et à ce moment-là, Ponce est TP sur moi. Puis est reparti. Ah, il nous mais a du pas coup, c'est pas fini mon histoire à moi. Non. Parce que moi, quelqu'un s'était téléporté sur la hauteur et c'était un loup, je pense. Soit c'était Beetle, soit c'était une des deux filles. En tout cas, Beetle est mort et il y a un loup qui m'a foncé dessus. Au moment où un loup me fonce dessus, je vous assure, l'histoire elle est vraie. Je cours, j'ai une balle, je vois une balle devant moi. Je tire la première balle, il arrive contact, je prends la deuxième, je tire la deuxième. Au moment où le loup meurt, Ponce apparaît sur le arrive, loup. Oui. Parce que du coup. Avec la téléportation. Totalement, et je suis témoin de ça, enfin du coup de à partir de là, parce que en fait moi j'arrive en TP, à la frame où j'arrive en TP, j'entends un coup de feu et je vois un loup-garou mort.
Du coup, je fais OK, je crois à l'outil sur ce qu'il a fait, je l'ai vu, tu vois. Et en fait, il m'explique, pendant qu'il m'explique, il est en mode rap god. Et là, bah, la potion TP refait effet, j'arrive devant ONU. Et là, ONU bah, raconte ce qu'il vient de dire. Et il faut savoir qu'à une demi-seconde près et à un mauvais TP, c'était moi qui mourais. Qui prenait la deuxième balle. Ouais. C'était moi qui mourais. Ouais. C'était fin de game. Et Wingo avait gagné. Game. Étant donné que c'est Wingo et ONU, c'était fin de game, ouais. Hein mais... Non, non, le loup est mort, le loup est mort. Non, mais non, l'autre est mort. Non, mais il n'y a que Wingo. C'est Wingo, pardon. Ouais, ouais, Wingo. C'est Wingo vert. Alors, j'ai voté un peu tôt, mais Wingo, il voulait peut-être se défendre. En tout cas, si c'est, même si c'est Onutrem qui nous induit en erreur, derrière, on est quatre, on peut se cacher. Je suis encore en vie, je suis chasseur. Et il ne pourra pas gagner au prochain, vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais attendez avant de voter Wingo, parce que Wingo, t'as quoi à dire? Parce que c'est peut-être Onu en vrai. Le truc, c'est qu'on n'a pas trop d'infos concernant. Parce que, en fait, au moment où Kalen. C'est qui l'autre alors? Moi justement je me suis retrouvé à cet endroit là grâce à une potion d'invisibilité aussi, donc mon objectif c'était justement de me cacher dans le moulin parce qu'il y a eu un bain de sang dans le village principal et on s'est retrouvé tous les deux en potion d'invisibilité dans le moulin, ce qui était assez marrant, on va pas se mentir. Et toi ensuite Ponce, tu t'es TP sur nous mais... Ouais. Ok, bien. Quoi, pourquoi tu veux bien tenter? Ouais, vas-y, c'est pas. Ah, Bitel! Bah ouais! En vrai, j'ai le seum de. Oh ouf! C'était n'importe quoi dans tous les sens. Parce que là, le Tigro, il y avait une déco. T'imagines même pas le démon que j'ai, lui, vraiment. En plus, Bitel, il m'a dit: oui, là, il y a une balle, c'est sûr. Il peut y en avoir aussi là et là. Et c'est exactement sur le dernier là que j'ai trouvé une balle et que je t'ai tué avec. Je vais tout donner, gros. Il lui a tout donné. Il lui a donné ses balles, tiens, tue-moi. Impossible que la balle elle spawn là alors qu'elle était déjà ruine. Et là, frère, il tire la deuxième, je suis en mode jeu de merde, les probas à chier. Je transforme. Jeu de merde. Évidemment, je suis face à lui. Attends, j'entends pas Wingo, il faut que je le mette. Genre, il s'est passé trop de trucs, genre Lutti qui arrive à mettre une balle à la frame où je prends le téléporteur en tant que loup. Du coup j'arrive sur Beetle qui est lui-même en loup en train de chase quelqu'un mais qui arrive pas. C'était moi et du coup c'est moi qui les trappe, je crois. Franchement, le simple fait qu'on survive à la nuit numéro 2, c'est... C'est un miracle, c'est... Hein. C'est un miracle. C'est vraiment un miracle. Hein. Genre vraiment, moi, je vous ai donné un passing, vous en avez rien eu à foutre derrière, je te mode parfait. Allez, Regardez, mais j'ai mis le clip dans Blabla Streamer, il est légendaire le clip. Non. Genre vraiment, mais si tu m'avais, tué, mec... Attends. Relancez pas, je vais faire la mouette, j'arrive. Oui. Ouais, bien sûr, je vais regarder le clip. Faire la mouette, c'est trop grave. C'est parce que je dis pause mouette quand je vais aux toilettes et depuis elle a adopté, mais elle dit juste faire la mouette. Ah. Est-ce qu'il y a moins de sens? C'est drôle en vrai, je trouve. Ah oui, d'accord. D'accord. Oh. Le hurlement de Ponce. What? What? En plus, il arrive au TP à ce moment-là, c'est épique ce moment. Let's go! C'est très marrant. What? Ouais, par contre, vraiment, le fait que. Il m'arrive un truc de fou, bonbon! En gros, il y a un loup, il m'a couru dessus! J'avais récupéré une balle au début de la journée, et puis il m'a couru dessus! Et deux minutes, il m'a couru! Il y avait une deuxième balle, je l'ai récupéré, je l'ai tué, t'es arrivé derrière lui comme si c'était toi le loup! Si j'étais pas arrivé à temps, t'aurais été invisible et j'aurais jamais su que t'étais là. Et puis surtout le fait que j'étais détransfo à cet endroit-là, ça avait du sens parce qu'il y avait eu le bain de sang dans le village, donc le loup aurait pu au par ou ne pas checker ça et tout. Let's go! Safe à un endroit safe, mais du coup, toi, t'étais. What? Il m'arrive un truc de bon moment! Vraiment, le timing était. C'est un film parce qu'il a juste le temps de lui expliquer tout jusqu'à. Et là, paf, c'est le dépop de la TP. Il est derrière comme s'il était derrière tout le temps. Mais ouais, mais vraiment. J'ai trop, en vrai j'ai trop le mort, c'est trop. Moi ce qui me fume c'est que. Mais comment je trouve une deuxième balle, frère? Juste quand tu finis ton rap god là, Ponce dépop, c'est drôle. Bah oui, c'est ça qui est trop drôle. Je savais qu'il allait dépop, tu vois, du coup je voulais lui raconter ce vite possible. En fait ce qui me tue c'est que genre vraiment, je pouvais vraiment te buter, je t'avais quoi. C'est ça qui me rend fou, sans la deuxième balle, mec, vraiment je suis dégoûté. Tu l'as. Et le pire c'est qu'on avait bien géré cette dernière balle. Genre, ouais, c'est dommage, hein, ça a failli passer. Hein. Ouais, village pêcheur. Ah, mais mec, par contre, c'est que genre vraiment. Tsuna, Ana et Nao, je tue les trois. Ah ouais. Non, mais toi, la vitesse, t'avais safe. Et moi, c'était trop safe en plus. C'était fin de la game. Hein. Attends, j'ai une question d'ailleurs. Wingo, quand tu m'as dit attention, il y a un loup et tout, tu t'étais retransfo du coup. Non, mais ah oui, attends, je réexplique vite fait. Parce que la nuit numéro 2. C'était. Je suis village pêcheur, je me transforme en loup parce que je vois deux gars. Évidemment, il y a le chasseur, c'est Lutti. Je suis en mode, c'est trop la merde. J'essaye de le juke. Et j'essaye dans un timing de prendre le TP sans qu'il me touche, tu vois.
il me met une balle à la frame où je prends le TP. Donc j'arrive, j'arrive au niveau des champs, là, vous savez, à côté. Derrière l'église, je pense pas, là, ouais. Ouais, derrière l'église, ouais. J'arrive ici. Et là, j'ai pas de PV et tout. Et donc j'avance vite fait. Et là, sur le croisement de la route, il y a Bitel en train de courser un gars, je sais pas qui c'est. Et moi, du coup. Et moi du coup je me suis dit mais attends mais c'est trop bien parce que comme il y a la musique du loup, je profite que Bitel soit là, je me mets dans une maison, je me détransfo. Et là tu t'es TP, je t'ai entendu, oh, je t'ai dit tout ça du coup cours. Et moi j'étais détransfo donc j'étais en mode vas-y je suis safe tu vois. Ah ouais. Ok donc j'ai vraiment vu ce que j'avais vu en plus. Ouais. Je me suis demandé si j'avais badé tu vois mais non c'était bien. Ok. Ah ouais, ouais, c'est vraiment crédible. Il s'est passé des trucs hein, dans cette game. Ouais. Et c'était trop crédible. Il y a eu des trucs. C'était vraiment trop crédible. Je TP, il est dans la maison en humain. Il me dit attention, il a l'air terrorisé. Je vais vous dire un truc. Avant, j'aimais pas trop être villageois. Et depuis les dernières mises à jour, être villageois, c'est trop bien. Il passe je crois que t'allais vraiment dire j'aime pas trop ce jeu à la base. Ouais, le jeu pas ouf. Je trouve aussi que c'est bien que. Je sais qu'on a eu souvent ce débat, mais que les. En fait, t'es pas censé win une game sur deux en loup. Et là, pour le coup, bah, y a pas eu de victoire depuis le début et c'est peut-être pas plus mal en fait. Parce que. En vrai, c'est que je suis totalement d'accord. Ça demande vraiment de penser un peu à tout ce qui se passe dans la game. Ouais, faut vraiment être fort pour gagner avec les loups quoi. Faut être Skyheart ou au moment, je pense. Je veux quand même dire que ton jeu est très bien foutu, Nutrem, parce que quand tu cherches une balle, et bah t'en demandes à un loup, il t'en trouve une, et ensuite quand t'en cherches pas, elle apparaît pour toi. Et ça, c'est quand même quelque chose de dingue. Parce que le nombre de fois dans ma vie de chasseur où je cherchais une balle dans toute la map, et là, au moment où le chasseur m'arrive devant, elle est entre moi et le putain de loup. Quoi, ouais, mais d'ailleurs, je pensais faire un petit rework des balles à un moment donné, mais en gros, pour vous me direz ce que vous en pensez, le temps qu'on s'arrive. Les balles, ça serait des items comme les pièges à loups, comme les potions, plus des loot qui rapportent des points. En gros, tu pourras du coup la stocker dans ton inventaire. Et tu pourrais si t'es pas chasseur, tu pourrais la reposer sur le sol. Oh, trop ou bien. Si t'es. Ça, c'est cheaté. Hein. Mais par, loot, contre, l'inconvénient pour le nerf de ce truc là, c'est que quand t'as tiré. T'as un cooldown sur la balle. En fait, tu peux pas recharger comme ça et retirer direct. En fait, t'as forcément un délai. Par contre, tu peux porter ta balle avec toi. Là, Luthi serait mort donc. Ou te la faire ramener. Bah là, je serais bien mort là. Ouais, c'est possible. En vrai, pourquoi pas. Et par contre, si jamais un loup, si du coup, ça veut dire que si un loup il trouve la balle et qu'il la prend pour faire chier le monde, et bah, il va l'avoir tout le long. Voilà, ok. Ah oui, si, il pourra prendre un truc parce que si ça peut les supprimer par la cacher quelque part. Je pense que t'as pas le choix que de limiter à genre 2 max quoi. Parce que si ton chasseur il en a 4, bah vas-y, c'est la game. Ah non, non, mais de toute façon, c'est dans l'inventaire, c'est un stack de 1. Ça serait un stack de 1. Ouais, c'est un stack de 1. C'est un stack de 1. C'est juste que chacun on pourrait. À réfléchir, c'est des idées comme ça. Okay, okay. Et pareil pour les loups, si vous voulez les rendre plus forts, je pourrais faire en sorte qu'ils puissent se détranso, retranso à l'infini dans la nuit. Sachant qu'il y a quand même là, une zone qu'une fois. Ouais. Là, tu peux le faire qu'une fois, ouais, c'est ça. Après, okay. En vrai, on va pas se mentir que t'es cramé de fou quand t'es un loup, que ce soit dans l'open ou dans un village et que tu te détranso. Ah, c'est pas discret, hein. C'est chaud. Pas discret. Ouais, c'est chaud de ouf. Ouais, je suis d'accord. Après, je pense que ça n'a pas été fait la strat encore, je sais pas. Mais j'ai pas été loup aujourd'hui, mais je pense que j'aurais fait ça. Après, si je le dis maintenant, je suis cramé, si je suis loup. Mais si vous vous transformez en loup, vous tuez quelqu'un et vous détransfo instant. En vrai, des fois, il y a un monde où ça. Quelqu'un qui soit en train de regarder. Mais... Bah, en fait, c'est ça. S'il y a quelqu'un d'autre dans le coin, bah t'es mort quoi. Et genre, c'était vraiment en contre, coin de map et tout. De... Ça peut faire un truc. L'idée de se mettre plutôt à côté de son pote, je pense que c'est une trop bonne idée. Parce qu'en effet, je pense qu'il manque un tout petit peu de ce truc qui te permet de. Si vraiment tu prends un risque de tuer plein de gens, bah de. Eh oui, ça c'est trop bien ça. Excellent idée. Les gens à être split, des trucs comme ça quoi. Limite peut-être avoir carrément quand tu tues quelqu'un, ouais, ça t'indique la. Alors j'allais dire la pose des gens très proches de toi peut-être, je sais pas, mais. Avec vitesse de déplacement, c'est bien déjà, c'est sûr. Vitesse de déplacement, je pense que c'est déjà suffisant. Peut-être avec une traînée, une petite traînée vite fait qui pourrait apparaître une seconde ou deux, mais genre le pendant ton buff là. Vite fait, vraiment vite fait. Parce qu'après t'enchaînes trop. Mais en même temps, faudrait pas que les gens soient collés. Ah, en vrai, ouais, non, mais après, en vrai, tu peux peut-être, ouais, effectivement, mettre un tout. Parce que les gens qui sont stack, c'est vraiment le truc qui plombe en round. Ouais, bah, ouais, mais du coup, ça corrigerait largement. Bah, ouais, mais c'était sur la proc ADV. C'est vrai que tu peux pas dire aux gens de ne pas se pack. Tu peux pas dire ça, vu que le but est de survivre. Tu peux pas dire aux gens, ouais, mais faites un effort. Non, pour moi, il faut que ce soit le gameplay. Les règles tacites, c'est pas fou, quoi. C'est ça, je suis d'accord. C'est une solution. Faut vraiment que ce soit le gameplay qui fasse en sorte qu'on ne puisse pas être pack, tout simplement, tu vois. Genre. Les zinzins, là. Bon, on va lancer, je pense qu'ils en peuvent plus. Tu veux pas faire un truc, ils sont possédés, frère. Tu pourrais pas ajouter un buff pour le loup en mode genre si jamais il fait un kill, il peut consommer un peu de sa santé restante pour genre voir des traces de pas pendant 5 secondes ou un truc comme ça genre. Faut voir, après j'ai pas envie que ça soit trop complexe non j'allais plus. J'allais dire en fait après le but c'est que genre, je pense qu'il faut rester un petit peu simple. En fait genre si tu te mets
avoir une mécanique où pendant 3 secondes, si tu consommes genre un type de ta vie, mec, c'est chaud, frère. Genre là, ça devient un peu trop compliqué. Oui, c'est moins dans ces cas-là, le bordel. En fait, limite, en fait, dans ces cas-là, si tu donnes un pouvoir au loup, faut peut-être donner un pouvoir à l'alchimiste de créer une potion, tu vois. Enfin, je trouve que c'est un peu complexe, quoi. À voir, mais je pense déjà le petit boost de vitesse, en fait on fera, je buffer un peu au fur et à mesure pour pas que ça soit ouais, en fait, ça pourrait être complètement vitesse, déséquilibré du jour au lendemain, genre c'est aussi ça. On peut donner un lance-pierre au loup. Oh là là, les deux. Un lance-pierre. Vraiment, c'est. Vous avez j'avais pensé aussi au fou, hein. Un coquillage que tu pourrais ramasser. Ouais, si tu perds un coquillage, ils peuvent se parler entre eux. Mais bon, voilà, ça c'est un autre truc que j'avais pensé. Le joueur de. Ne jouez pas Overwatch, c'est. Ne jouez pas Anna, surtout. Allez, vraiment, touchez ça. Ah, c'est Vitel. Attends. C'est la musique, c'est ONU. Ah merci, ouais. Putain, j'ai cru qu'elle allait jamais sortir, frère. J'ai pas vu. Oh, regardez ses pieds, venez voir ses pieds. Ah, il était dans non, la maison. Non, laissez mes pieds tranquilles. Oh, il chose du 60. Vite, 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 vite. Non, mais sortez, ah, arrêtez, ça chatouille. Oh, les petits panards. Mec, c'est le panard que t'as quand même. Hein. Bon, ok, je sais ce que ça fait, ça, c'est très intéressant. Du 133. C'était quelle couleur? Bah, je sais pas s'il y a un loup, donc je vais éviter de le dur. Voilà. Oh. Ah, d'accord. Mais, il faut gagner ma confiance. Ah, je vous dirai. Ça va aussi l'autre. Bon, y a pas de loup ici, là. Tu me donnes ton goûter et je te fais confiance. Il arrive les items des. Il y a beaucoup de monde. Nice, c'est pas un mec facile. Oh, j'ai vu un truc là. Un petit champignon. Ah ben voilà. Ah. Oula. Oups. Bah c'est ONU alors. Je vois un mec. Moi je sais pas où je suis, hein, premier degré. Hein. Putain, alors, on a tout vu. Oh, les idiots quoi. Ah, personne est mort. Ah, je pensais trop que vous alliez mourir, Vitel et Anna, et vous faisiez chase de fou. Avec le tir, on sait exactement qui sont les loups. C'était horrible. Exactement, nous on sait qui sont les loups, mais vous pouvez débattre avant si vous voulez. Ah ok, d'accord. En tout cas, on a entendu Vitel crier très très fort parce que moi j'étais prête à. Ah ouais, il est pas mort, bizarrement. Putain, t'es pas mort, Vitel, mais comment t'as fait? Bah ouais, je suis resté dans les fourrés. Genre premier degré. Non, mais. T'as habité le mini chaud derrière toi, Lulu. Ah, frère. C'est tellement glissant. Wingo, bon, allez, go sur une next game. Je suis arrivé sur la scène, vous étiez. Vous étiez sur le Mirador. C'était Vitel et moi. Allez, on passe à autre chose. Vous étiez où en vrai? On était sur le Mirador, juste à côté en fait. Bah, j'avais audition en plus. Comme j'avais audition, je vous ai entendu. Parce que c'était la seule potion qui était là, parce qu'il y avait lumineux géant et audition. Et en fait, Vitel, de loin, on t'a entendu courir. Ensuite, on t'a revu et on a dit putain, c'est chelou, il est pas mort. Et on t'a vu que transfo dans les buissons. Mais tu sais que c'était une dinguerie parce que donc c'est Wingo et moi, c'est Vitel et moi, pardon. Et genre, ah, oh là attends, là mais le pire, ah c'est que j'avais. Le pire, c'est que non, j'ai tout vu. En fait, moi, j'ai pas capté ça. C'était Vitel, tu vois. Et donc, j'entends plein de gens. Je me transforme en Scred. Et là, je cours et je vois Vitel. Et je fais putain, ça bug, j'arrive pas à tuer. Et en fait, je capte pas que c'est Vitel sur le moment. Tu sais, moi, je veux juste tuer. Moi, j'ai soif de sang, tu vois. Et là, je fais putain. Mais putain, mais et après je m'arrête et je fais. Oh merde! Je te vois devant moi, frère, je suis là, je suis en mode. C'est pour ça que vous tourniez en coup. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je fais. Mais putain, mais je suis trop con, c'est Vitel, j'avais pas capté. Je me détransforme et je hurle et je fais. Ah, il est derrière moi! Voilà, et du coup, il y a qui me fait. Il est où? Il est où? Et pendant ce temps-là, un autre truc incroyable. Je suis dépité. Oui.
Un truc incroyable, on avait trois potions lumineuses, on s'est retrouvés dans les ruines à faire une putain de teuf. Ouais. Tous en train de briller de lumières différentes, c'était énorme. Je suis désolé, Beetle. C'est qu'on a vu, on a vu Ponce se détransfo et Beetle se retransfo derrière, et avec lui, on était là en mode. Mais oui, mais oui, mais parce qu'en fait, du coup, moi j'ai voulu brain là-dessus. En fait, si vous l'aviez pas vu, moi, j'aurais pris la place de Ponce en tant que. C'était bien joué. C'était très bien joué. C'était très bien joué. Quand vous avez tout vu, j'étais là, j'étais en mode, bon bah super, le move. Bah oui, c'est pour ça, mais finalement, tu s'avères quoi, genre vraiment. Désolé du coup d'avoir des vœux, mais en vrai, bon bah c'était dead et ça servait à rien qu'on parle 15 ans quoi, mais. Rendez-vous village principal pour que tu meurs si tu veux. C'est pour ça que c'est super intéressant de transfo quand il y a un autre loup qui est déjà là et que vous êtes en duo, parce que du coup, tu peux être safe sans enlever la musique et ça, c'est vraiment cool. Comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec. Bah ouais, c'est ça, comme ce qu'ils ont fait. Ça me rassure un peu sur mon gameplay loup, je vais pas vous mentir. Mais je sais pas ce que j'ai foutu avec ce caillou, hein. Ah. Bonjour à tous. Voilà, ben... Oh, j'ai failli choper, ça. Le problème a été réglé. Enfin bon, tu me diras, ça changeait rien, ils avaient tout vu, mais my bad tout de même. Bah, Ponce, t'aurais pu... Nice try, hein. Ouais, nice try. Bah, à partir du moment où vous aviez tout vu, c'était... Quoi qu'il arrive, c'était dead, quoi. Genre... C'était... Non mais là, cette dernière action, c'était très très drôle, je pense. Après, c'est quand même improbable que vous soyez genre tous les deux dans le Mirador à ce moment. J'ai vraiment envie de mourir, c'est quoi. C'est pas de chance. Comme ça, vous ne voyez pas vraiment, ouais. Non, on était deux, c'était dur pour vous. Le truc, c'était des prises de risque aussi, parce que Luty, en fait, Luty, c'était dévot en tant qu'Alchi. Moi, j'étais en mode, bah, je te promets, je suis pas loup et tout. Donc, j'aurais très bien pu être loup et le fumer. Enfin, il aurait pu avoir plein de... Oui, on a eu de la chance. Et en plus, vous êtes très souvent passé devant nous. Beaucoup de fois, évidemment, on a eu vraiment beaucoup d'infos. C'est vraiment un mix de tellement pas de chance pour vous et de chance pour nous. Ouais. Bon, bah, next. Bien pour les loups pour l'instant, mais peut-être avec la chemistry plus tard, ça sera fort. En attendant, je peux quand même mettre à 50% la vitesse. De quoi de... Des loups. Oui. Ah ouais. Si rapide. Ah ouais. Bah, c'était 30% de base le bonus, on était à 40 là, mais je pense que. Bon, faut le là, tenter, hein. Ah, un petit vas-y, teste. Ça se tente, ça se tente. Vas-y, vas-y, vas-y. Traverser. Coucou. Bonao. Bonjour. Bonjour. Ah. Quelqu'un de vous est chasseur? Non. Non. Il y a une balle là sur le comptoir. Oui, il y a mon chat qui me dit vous êtes un peu des games de test. Oui, c'est ça, on est une bêta un peu avec ONU. Exact. Ouais, on est ça. Et l'un de vous est alchimiste? Non plus. Non. Ouais, j'ai plus la merde. On sert à rien en fait. Oui, un peu, c'est ça. On est bien nage. J'ai une potion. Lumineux qui est dans le portail, on le voit quand même. Oh putain. Ah bah putain. Salut Anaé. La verte, c'est géant. Oh. Coucou les nains, comment ça va? Vous êtes tout petits, c'est attends, c'est qui? C'est Beetle et Wingo là? Beetle et Wingo ici. Luty qui est là en dessous, Yanao. Ouais. Ouais, mais trop de... Oh, on a une belle vue là. Ah, je peux plus bouger. Est-ce que quelqu'un a un équipement tridimensionnel? Ah, mais il s'est fermé instant. Ah non, mais je. Bah oui, ça m'a niqué, je vais mourir, j'ai plus de vie. Ça fait très peur, non? Oh merde. Oh non. Tu veux une box du coup? Bah j'ai pas, regarde, va te mettre à l'extérieur. Regarde, imagine-toi, nous on se marre tous, et là on regarde et on voit une personne debout comme ça dans les fourrés qui nous regarde sans bouger, sans parler. Avoue, il y a un côté terrifiant quand même. Mais j'attendais là, il faut que je fasse ça. Calem. Des guillis. Quand il évite de rigoler, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Ça marche. Moi je pensais que c'était pas de hitbox. Ah, mais cheaté. Il y a eu un loulou. Oh. Ah. Oh non. Oh. Ah. Moi j'ai une théorie. Ouais. Il était pas loup, il est mort de faim. Ah.
ou d'un piège, ou je sais pas, mais... Oh non, on serait abusé le point. Bah je crois pas qu'il est tranchant, donc c'est pour ça que je me dis qu'il est sûrement mort de faim, ou je ne sais pas. Non, Flonflon. C'est pas impossible. Quelqu'un sait si on peut boire la potion verte ou pas? Ouais, c'est géant. Alors, ouais, c'est géant. Ah, c'est vraiment géant, et c'est vert, énorme. C'est géant. Géant vert. Oh. Ah oui. Mais du coup, qu'il y a une info là? Bah non, rien. Aucune. Pour avoir des infos, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était au village de la ferme? Non. Moi, je sais pas, c'est quoi le village? La zone de la ferme. La ferme, c'est Forgeron. La ferme, c'est... Ouais, Forgeron. Forgeron, pareil. Forgeron, ouais, ça. Là-bas, tout, là où il En fait, là-bas. En fait, il y avait peut-être Flonflon, du coup. Ah ouais. Qui est décédé complètement. Après, j'avoue qu'on a été tous beaucoup au niveau du village principal. Moi, il me semble que les gens que j'ai pas du tout vus ce soir, c'est Ponce et Tsuna. Ouais, bah pareil. Mais ouais. Quasiment tous les dans la forêt. Bah on était dans la forêt avec Tsuna, vraiment du début à la fin, on a même regardé le coucher du soleil, c'était très sympa. C'est très joli, super, super. C'est magnifique. Elle est en date en ce moment, Tsuna, dans ces games. Elle se couche à l'ouest. Du coup, vous savez où est l'est et l'ouest. Voilà, voilà, donc c'était cool. Okay. Est-ce qu'on va refaire ça cette nuit, Tsuna? Je sais pas, on verra. C'est peut-être un peu rapide. C'est peut-être un peu rapide, c'est ce que je me dis aussi. Après, on peut se donner rendez-vous à l'église, mais c'est encore plus rapide, peut-être. Ah oh, oui, un petit mariage. Ou à la mairie pour le divorce, même, avant d'avoir commencé. Une chose à la fois. Il y a une mairie. Ah, ok, il faut commencer par le mariage avant de se séparer. Oui, vas-y. En tout cas, pensez à récolter, hein. Pensez à récolter parce que je trouve que de plus en plus les gens foutent rien, quoi. Je trouve que vraiment, il suffit de traverser la rue. C'est vrai qu'il y a un peu de laisser aller. Il y a du laisser aller. Ouais, mais les gars, enfin, il y a un moment, il faut bosser. On a un village, on a des gens à nourrir, Bah ouais. Il faut un peu. On a un gars qui a un pont VLC sur la tête, donc on doit. Si tu veux faire du city building, joue à autre chose. C'est trop grave. Enfin, Butel, je t'en conjure, mais on est quand même un village. Il faut quand même faire un. On est pas sur SimCity, mais on est quand même sur Lican. On est dans le village, bordel de merde. Il y a un moment. Villageois ou on est pas villageois? Tu veux pas travailler, tu veux pas travailler, Butel, excuse-moi. Bah, il est lourd, c'est tout, voilà. S'il veut pas travailler, il met tout à fait, mais tout à fait, mais tout à fait. Quel bordel. Ça me fume. Mais j'ai spawné. La 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 la. Oui. Non, je regarde ce que tu fais. Je chie des pièges. Mais oui, pas ça. Mais pourquoi tu mets dans cette maison regarde. Spécifiquement oh. C'est pour... Bah parce qu'en fait, je viens de trouver deux. Mais t'en as combien? Oh, ho, ho. Wow. Ouais, mais attends, mais là, si je, wow. si je veux passer... c'est hey, ce que je vois. Tu veux passer, il oh, c'est dangereux payer. Quand même. Hein. Tu me mets là, tu passes pas. On c'est passe des pas. En Espagne, en fait. On passe pas, mon bro. T'en as mis un autre. Eh oui, mon bro. Oh, ah, il y a un géant, regarde. Ah, par contre, j'ai faim, ah, ils sont du tous là, ils sont tout petits. Oh. Alors là. Ils sont tout petits. Okay. Attends, je vois pas Kalen du coup. Onu, Onu viens. On passe pas, bro. C'est un mauvais plan. Mais c'est ah si, quoi, vous pas. Non mais si, il y a un loup qui nous poursuit, on est bien, tu vois. Juste pour savoir, c'est on joue League of Legends, c'est Caitlyn là ou c'est moi qui joue Caitlyn. Par contre, j'ai pas le fusil, par contre. Juste pas le fusil, quoi. Oh là là. Venez où il y a les trappes. Reprends, vas-y. Ça a tiré deux fois. Ça veut dire que c'est Onutrem ou Wingo. Mais c'est trop chaud. Je vais manger. Ok, j'ai vu tuer devant moi deux personnes. Je suis désolé, je suis géant jusqu'à la fin de la nuit, Bébou. Tu pourras pas me tuer. Mais écoute, tu sois là. Et pourquoi les deux loups sont à côté? Tu peux pas me tuer, je suis géant jusqu'à la fin de la nuit, je pense. J'ai trop tard pour toi. Enfin, j'espère. Mais c'était exceptionnel. Ça finit dans... Je dirais 10 secondes, mais je pense qu'il va faire jour. Mec, enfin, mec, c'est vraiment, il a dit que t'étais loup. Enfin, il a dit ah, moi j'ai pas le fusil, enfin, je me suis instant avec toi. Tu peux partir. Mec, le moment où tu tires, je ferme la porte, tu prends la balle, tu retires. Mec, j'étais là, j'étais en mode, c'est trop beau. Ah, mais c'est pure perfection, hein, vraiment. Oh frère. Oh, j'ai le dû. Je suis dévasté pour vous, les amis. Non, c'était trop beau. Luty, t'as pas eu de chance. T'as tellement pas eu de chance. Non, c'est pas Tsuna Ponce, c'est qui le deuxième? Si c'est Tsuna Ponce, c'est Tsuna. C'est Tsuna Ponce. C'est Ponce qui s'est fait tuer. Oula. What the fuck? Oh non.
C'est pas alors pour... moi j'ai laissé Kalen, je t'ai pas vu seul dans un village. Kalen. Oh putain. Attends, mais oui moi j'ai vu le j'ai une question de graphisme. Ouais. Kalen, tu as fait ce qu'on a dit, on s'est pas vu parce que genre on était trop loin. Attends, mais ils ont même pas capté que c'était moi le loup. En fait moi j'ai tenté dans la forêt et en fait t'es pas assez en hauteur et les arbres te cachent la vue, tu vois rien genre. J'étais trop loin dans la forêt genre. Attendez, attendez. Coup, mais... En fin de journée, on s'est mis en géant et on voulait se faire coucou de la forêt à la plage et du coup, on se voyait pas. Et mais du coup, j'étais. Attendez, il y a quand même quelques morts. Est-ce qu'on peut discuter de ça? Ouais, je fais bien évidemment. En vrai, il y a que deux personnes ici qui peuvent proposer une game aussi masterclass en fait. Eh ben, c'est pas moi. Moi, j'ai mis des pièges partout. Ah, t'es... ah mais tu te sens agressé. Tout le monde regarde nu. Tu te sens agressé, Auditrem? Non, mais moi, j'ai passé une excellente game. Par contre, ce qui s'est passé juste avant. L'outil géant, le loup qui l'attend, je m'approche du loup, je lui gueule dessus, viens, viens, parce que je me dis s'il me poursuit, je prends l'aggro, je sauve l'outil, je mets le trap en passant là, mais ça s'est pas passé, il m'a pas entendu, parce qu'apparemment je crois que j'étais muté, donc c'est énorme. Et ou alors il m'a entendu. C'est bizarre d'être muté. Il a, ou alors il s'est dit, je vais camper. Personne n'a capté quand vous étiez mort. Comment ça c'est suspect? Bah tu racontes exactement bah, ce que j'ai fait. Tu te mutes en général quand t'es loup et que... Et... Wesh nao, t'es okay. Loup que... Mais en fait, oui, en fait je sais même pas si d'être mute, mais comme il a pas réagi, s'il a pas réagi, c'est que je pense qu'il voulait vraiment tuer l'outil parce qu'il savait qu'il allait finir son géant. Et que moi c'était un bail. Ça, non, moi je pense qu'il faut voter pour ONU parce qu'il parle de parce qu'en plus il parle de d'être mute etc. Et que en après plus mon ça, move a permis à Tsuna de faire un banger de décès hein, je pense. En vrai. Hein. Et à part si le tir a tué un loup mais je pense non. Pas. Encore une fois non, j'ai non, laissé pense... Lutti et Ponce ensemble tout seul dans un village hein, au début de la partie. Ils pensent encore tous qu'il y a deux loups. C'est vrai, mais moi non plus. Ma mort je alors, est passée. Alors, moi, j'ai quand même quelques infos. Oh, on était pas mal à rentrer dans le moulin. Et c'est dans le moulin, il y a eu une transfo, une des transfos, une autre transfo. C'était très bizarre. Et il y avait qui d'ailleurs? Il y avait Kalen. Bah, personne de nous. Il n'y avait pas Kalen. Il y avait. Anaït était là, je crois. Non, c'était pas là. Kalen était de l'autre côté, on voulait savoir. Moi, je pense. Honnêtement, je pense que. Vous pouvez me faire confiance. On peut voter pour ONU. Et derrière, il restera. Qu'un seul loup et je sais qui c'est mais je alors je vous dis que c'est pas moi mais par contre ça allait au moins ça me ferait plaisir parce que les loups vont gagner au moins une fois. Moi je vote pour Ponce. Alors Kalen dans ce cas là attends une seconde laisse-moi parler. Il y a 8 secondes. C'est Tsuna, j'ai fait un pacte avec elle, c'est Tsuna et c'est pas moi, je vous jure que c'est vrai. Mais quoi? Quoi? Mais quoi? J'ai fait un pacte avec elle, le tout début de la game c'est pour. J'allais tellement gagner. Oh non, non, c'est abusé. En plus, je dis qu'il faut jamais faire de pacte. Plus jamais je ferai de pacte. Je tuerai tout le temps tout le monde maintenant. Je trouvais nul les pactes au début. J'ai toujours trouvé nul les pactes. Je trouverai nul jusqu'à la fin de ma vie maintenant. Voilà, tu vas dormir cette nuit. D'habitude, je trouve. Oui, il parlait différemment comme s'il m'accusait, mais il m'accusait pas aussi véhément que d'habitude. Oui, oui. En fait, mais le traître, mais non, mais n'essaye même pas de t'exprimer, le traître. Non, mais en plus, je peux rien entendre. On a regardé le coucher de soleil. C'est tellement fort. J'ai pas les mots pour cette traîtrise, j'ai pas les mots. Tsuna, j'ai pas les oreilles. Tsuna, écoute-moi. Ce qu'il fallait faire, c'est me suivre sur ONU. Je croyais que t'allais me suivre sur ONU. Mais j'allais te suivre. J'ai dit oui, c'est vrai, c'est bizarre. Je t'ai regardé, je t'ai fait oui de la tête. J'allais. Ah merde, j'ai pas capté. Mais il restait 3 secondes de vote, punaise, il restait 3 secondes. C'est du coup, j'allais voter, vraiment... tu vois. Attends, non, tu m'as tellement trahi. Oh non. Attends, j'ai une question assez importante. Vous saviez pas qu'il y avait un loup qui était mort? Mais non, mais personne. Ma mort est passée inaperçue. Personne ne calcule. Je vous ai tous tués. Il y a quand même un truc important, c'est que vous regardiez à gauche au niveau du moulin, il y avait le cadavre du loup. Genre vraiment, tout le monde voyait le cadavre du loup. Non, ma mort est passée inaperçue. J'ai mal regardé, j'aurais dû regarder. Voilà, je suis transparente. Je voyais pas. Mais moi, en fait, je vous ai entendu la tuer, je me suis transfo et je vous ai tous tués, voilà. Mais comment c'est possible que le chasseur soit mort et que qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Le loup est mort aussi. Bah oui, bah parce c'est que je me suis pris deux balles. Les gars, vraiment. J'ai trop bien joué. En fait, faut comprendre un truc, c'est que en gros, il y a eu une. Je pense que j'ai jamais vu une telle coopérativité ensemble, tu vois, genre vraiment c'était non mais c'était abusé, vous étiez enfermé avec une balle et t'avais ONU de l'autre côté qui mettait toute une ligne de piège donc je pouvais pas passer de ce côté là. quand je vous disais qu'il y a les tryharders de l'extrême dans cette partie, voilà quoi. T'as vu comme je t'ai vengé ou pas? Oui mais trop bien, genre, mais je me dis ma mort a servi à un vrai sacrifice, tu vois.
Mais oui, parce que derrière, t'as fait une bouche. Trahi, on aurait même gagné. Mais oui, j'ai tué. Je vous ai entendu la tuer. J'ai slalomé entre les pièges et je vous ai tous tués. Mais en fait, comment t'es arrivé aussi vite? Parce que vraiment. Mais parce que j'étais à côté, vous m'aviez pas vu. C'était mon. Et les 50%. Ok, ils vont la tuer. Je vais les massacrer. Et c'est parce que je t'ai vu que je me suis changée. Je me suis dit, en vrai, on est deux. Vas-y. Voilà. C'est ça, j'étais sur la plage et tout. En plus, je m'étais transformée en géant. Vous m'aviez même pas vu. Vous en battiez les couilles. J'étais là. Oui, Nao, elle m'a vu. Mais j'étais là, genre. Et du coup, je vous ai vraiment tous massacré. C'était génial. Voilà. Désolé. Alors, moi, si je peux expliquer juste. Bien joué. Oui, je veux des explications. Si, voilà, des explications. En gros, vu que j'ai pas capté que tu me soutenais contre ONU, j'avoue, j'ai pas capté, c'est ma faute. Non. Mais en fait, je me suis dit, ah, mais ça veut dire que c'est ONU et Tsuna parce que j'avais pas l'info. Donc, si Khaled me tue maintenant, la game est finie et vous avez gagné. Et ça, j'étais pas trop pour que vous gagniez d'un coup parce que moi je meurs. Et donc, du coup, vu que je te voyais pas aller contre ONU comme je le disais, mais apparemment tu l'as fait, dans ce cas-là, je suis vraiment désolé. Je me suis dit, ah, mais c'est con parce que Khaled va voter contre moi, tout le monde va voter contre moi, je vais mourir, les loups vont gagner, mais genre, parce que je suis mort, tu vois, parce qu'on a voté. D'où la fin pour du moi. Contrat, quoi. De ma POV, je le regarde, je lui fais un petit oui de la tête, je me retourne, je suis super confiante, je vais appuyer sur ma touche et là il dit non, en fait, non. On prend pas assez en compte, mais les regards, quand les personnes regardent telle ou telle personne, des fois c'est pas anodin, je pense. Je t'ai fait un petit oui comme non, ça. Non, mais ouais. Mais... écoutez, si on a peur de se dire. J'ai abusé, mais c'était trop bien cette histoire de pacte, mais enfin c'est abusé qu'il t'ait dévoué comme ça. Non, mais parce qu'en plus, moi je lui ai dit direct, genre à la base je suis un peu comme toi, genre je sais pas mentir, du coup j'ai jamais fait de pacte et j'ose pas faire ça, tu vois. Et genre il m'a trop mis en confiance et tout. Mais tu m'étonnes, moi j'ai fait un pacte un peu plus tôt avec Anae et ça s'est super bien passé pour le coup. Donc bah oui. Et si t'avais pas dévoué, je pense qu'elle aurait voté comme toi, ça aurait fait égalité et t'aurais presque pu gagner en ce moment-là. Ouais, mais j'étais comme... Il y a deux personnes derrière nous, si jamais. C'est qui? Ah, il y a Bitel et Flonflon. Demande en mariage, tu crois? Pourquoi il y a... Ah oui, il est à genoux. Soit ils se demandent en mariage, soit ils font d'autres trucs chelous. Oula. Oula. Ouais. Ah. Pas. Je sais, là je les vois plus. Ils sont là-bas. Oh, ils pètent. Oh. J'en peux plus de péter. Pardon. Bitel, t'es encore en vie. Bon, c'est bon du coup. Oui, c'est Nao. Oui, c'est Nao ou Tuna, non? C'est Nao. Je dirais que je me suis fait poursuivre et j'ai entendu la petite voix de Tsuna. J'ai entendu la voix de Tsuna derrière moi, donc je pense que c'est Tsuna. C'est Nao et Tsuna, mec. J'ai pas du tout une petite voix, qu'est-ce que tu racontes? Non, j'ai pas dit que t'as une petite voix, j'ai dit que j'ai entendu ta voix. J'ai une petite voix, je sais pas ce que t'as entendu. Elle s'est sentie en système dans ça. Mais je vais fumer, lui, je vais fumer. Comment ça, une petite voix? Moi, tu dis j'ai une petite voix, moi. Non, à part ça, mais... Le groupe vit bien, c'est une bonne ambiance. Je suis mon propre loup-garou, je crois. C'est pas très loin du... Mais oui, au début, j'arrivais pas à prendre les... Il y a eu des tétés, Début de la game, c'est les deux, on est d'accord? Je pense que c'était... Elles étaient toutes les deux et elles discutaient... Oui, je pense, oui. Tu as raison. Bon, mais faut éliminer Tsuna en first. Qui a trop de dégâts, je pense.
Ouais, mais non, non, moi je me suis cachée, ouais, j'ai échappé au truc. Moi je suis assez d'accord. Non, parce que j'étais avec l'outil. Vous êtes. Ma situation pour écarter tout doute, j'étais dans la tour, je me suis monté, l'outil était en train de péter, je me suis dit mais non mais va tirer Loulou, c'est horrible. Loulou monte, l'outil se fait tuer, j'arrive à descendre à l'échelle et c'est le jour. Mais Onu, donc je sais pas si ça donne des infos, c'est la tour qui était là. Onu, on était ensemble. Là où je regarde. Vous avez tout vu, j'essaie de tirer. Je suis désolé de Suna et Nao, vraiment, hein, mais non, on vous a vraiment vu comploter toutes les deux, pas bouger, on a fait ok. Mais vous étiez en train de comploter, il y en a un qui était à genoux en train de faire du farba à l'autre, hein, si jamais, c'est vous qui avez l'air le plus suspect. Non. Mais oui, vous étiez en train de faire des déclamer des mots d'amour. Demandant mariage, petit choup-choup, bonne question. Non mais juste au cas où, enfin t'en as un qui était en train de péter, si tu veux, il était terrorisé de peur juste à son propre père. Oui mais du coup tu te mets à genoux devant l'épée, super. Non, bah mais... non, pas du tout, j'étais absolument pas à genoux, littéralement pas, donc je vois pas de quoi tu parles, t'es en train d'inventer tout ce que tu peux. Par contre, si je peux dire quelque chose, si on veut bien me laisser parler 2 minutes, c'est pas parce que je parlais avec Suna au début qu'on complotait, tu vois, genre quand on était toutes les deux dans les games d'avant, vous étiez pas suspicieux comme ça, et là on débriefait de la game juste d'avant, donc... Ouais... C'est vrai, et Nao, bah, Nao, est-ce que tu veux qu'on fasse un pacte, peut-être, tous les deux? Ne bon, fais jamais de pacte ici, là. Avec cet homme. Y a des gens qui ont fait justement, des on parlait de ça, justement. On parlait de ton pacte et ta trahison. Il y a écrit qui te jette sous un bus. Il n'y a pas de. Cherche pacte, Bob Dastrub. Ah bah par contre, premier degré. C'est abusé. Hein. Hello. Vous pensez que c'est qui là? Oh. Oh non mais c'est terrible, mais non. Arrêtez de péter, bon sang. Je suis un petit peu gêné, j'avoue. Pourquoi vous partez? Arrêtez, là-haut. Monsieur. C'est toi le loup ou pas? Je sais pas, je cherche des poireaux et des carottes là. Oh, j'ai mangé trop de fruits récemment. C'est une position inconfortable dans laquelle je suis, tu vois. Non mais t'inquiète. Non mais parce que maintenant, si dès que je parle à quelqu'un, je complote. En plus, oui, on parlait vraiment premier degré de la game juste d'avant, donc... Ouais, ouais. Bah, enfin, bon, voilà quoi. Aïe, aïe, aïe. En plus... Ouais, y a un truc que je... Ouais, vas-y, je parle, je raconte ma life. Il y a un truc que je trouve aussi un peu injuste, c'est... Je parle, mais c'est difficile d'en placer une, tu vois. Ils prennent beaucoup de temps de parole si on s'impose pas. La même chose. J'ai envie de vécreux, là. J'ai envie de vécreux. Et en plus, je vais mourir du loup, sans plus. Voilà. Du coup, c'est vitel. Quelqu'un a des trappes? Chasseur? Ah oh, c'est trop chiant, sa mère. C'est trop chiant. Comme si c'était déjà pas assez compliqué. Ah, c'est plus un jeu pour moi, je crois, les amis. Hein. Qu'est-ce que je fais, ouvrir des portes au... On sait pas, je me prends pour qui, là? Mourir de faim. Oups. Il y a un gars qui s'est fait tuer. Il s'est fait tuer devant moi. Oui, il s'est fait tuer devant nous. Ouais. En fait, je t'explique. Oui. En fait, au premier tour, les deux se sont transformés. Hein? Oui. Bon. Ah, Nao. Bon. Nao. Bon bah. Ouais. Oh bon. C'est pas Nao après. Non. Bon. Ça ouais, je reste sur le premier call perso. Ouais. 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 Ah, bon. Nao, c'était toi qui m'a poursuivi au portail. Ouais. Non mais votez pour moi, votez pour moi. Aïe aïe aïe. Oh non Nao. Oh non non, votez plus vite hein. Oh non. Votez vite hein, votez vite. Là, c'est bon. Non. Ah là là. Putain mais Beatles c'est incroyable par contre en vrai. Non mais mec c'est... Putain mais moi je me transforme, je me transforme devant un gars qui pète pour le tuer, il se TP genre, c'est quoi cette magie? Vraiment je suis de la situation partait,
je suis devant un gars qui pète, genre devant un gars qui pète. Et d'un coup, entendu... ça pète plus. Non, mais ça rend. C'est que je t'ai entendu parler, je t'ai entendu parler, et là j'ai réussi à me TP et j'étais genre à plat. Le téléport. En fait, ça veut dire que t'as pris deux potions, quoi, incroyable. Oh, j'étais trop vénère, et après sa petite voix, j'étais là. Le péteur fou, le péteur fou. Mais oui, j'écoutais les pets comme ça, j'avais l'air d'une ravagée, j'étais là genre. Et pareil. Ils sont où les pets? Avec l'outil, ce qui s'est passé, en fait, j'entends quelqu'un qui pète de partout, je comprends pas où il est. À un moment donné, je monte dans une tour parce que j'entends le loup et je monte et il était en haut de la tour en train de lâcher des caisses. Et il a tiré le loup, forcément. Ah oui. Il s'est fait puter. Oh, c'est putain. Joué à rien. Oh ouais, c'était cool aussi. Oh non. Mais du coup, en fait pour moi, pourquoi j'ai capté que c'était Nao? Parce que, genre, vraiment, il y a Tsuna qui s'est transformé et Nao a couru vers le loup. J'étais en mode. Non. Bah, si. Ah non. Ah bah t'as couru vers là où elle se venait de se transformer. Ah bah non, pas du tout, non. Attendez, on remake la game d'avant, on revient au vote. Ah. Ah. Est-ce qu'il y a un replay de la game? On refait la game. Il y a aucun monde où je cours vers le loup parce que c'est moi qui suis arrivé dans le village et c'est moi qui ai buté Lutti. C'est ça, c'est ouais, vrai. Elle est partie dans l'autre sens en fait. Elle s'est transformée. Elle donc est tu dis de la merde, Bitel. Tout comme tu disais que je complotais avec Tsuna, alors qu'en vrai, on était premier degré en train de parler de la game d'avant. Et en plus, on complotait pas du tout. Et par contre, aussi, tu dis de la merde parce que t'étais carrément à genoux. Du coup, j'ai bien raison. Du coup, j'ai bien raison sur les deux transfos. J'ai les images. Ah bah oui, on s'est transformés tous les deux, je pense, c'est possible. Le fait que j'ai bien raison sur les deux transfos. Bah oui, non, mais ce que tu dis, c'était pas bien. Je sens que c'est un peu tendu l'ambiance. Ce que je propose, c'est de lancer directement pour couper court. Vas-y, les. Oh non. Enfin si, mais Non, on m'invente des vies, je suis désolée, je ne peux pas laisser dire. Ah des potions. Attends. Des chasseurs? Oui. C'est vrai? Ouais. Mais attends. Okay, il y a une autre balle. Il y a une autre balle aussi dans la maison là. Où est partie la balle? Je l'ai prise, mais elle était là. Bah oui. Oh merde. Bah attends, il y en a une autre ici. Mais comment ça se fait que... Ah non mais c'est bon. Ah mais parce que par défaut on en a pas, c'est ça? Si, par défaut t'en as une, faut pas la prendre. Ah. Oh. T'en as forcément une par défaut. Mais là il y en a une autre ici dans la maison là. Ah oui, il faut pas que je la prenne, il faut que j'attende. Non, faut pas que tu... Non, faut que t'attendes de tirer ta première balle. Non mais j'ai fait des... Oh putain, j'ai la chance d'en avoir deux, mais j'ai fait des bêtises. Mais par contre j'ai une IM de mort. C'est pas grave. Attends, je m'entraîne. Bordel, je vais rester là près de ma balle comme je couvre un œuf. Après c'est chaud parce que c'est à l'intérieur du truc. Je vais manger la potion. Qu'est-ce que c'est que la potion? C'est géant. Ah non, elle est toujours là. Bonjour à tous, le village. Je suis la voix. J'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas en train de vous faire manger par les loups. Ouais, la dernière fois que j'ai eu un fusil entre les mains, j'ai tué quelqu'un d'innocent. K.O. Et à son âme. Bon, si jamais, Nao, y a une autre balle encore. Oh putain. C'était quelle couleur la TP? Vert. Ok, rouge c'est géant. Ok. Rouge géant. Je vois R. Je me suis TP qu'une fois, que deux fois. Attends, mais pourquoi on entend... Oh, mais Lutti, arrête. Pourquoi j'entends des flots? Parce qu'il est géant. Quand t'es géant, quand t'es géant. Parce que j'étais géant. À la fin, il était géant. J'ai vu le loup-garou débarquer sur moi et j'ai pris la potion géante direct. Direct. T'as bien fait. On voyait la petite tête de Flo. la tour Eiffel. On était à l'autre bout de la map et on voyait ta tête bouger. La tour Eiffel, c'était... du coup, une petite pensée pour Lutti et Tsuna quand même. Mais ouais, ça a pas de... Moi j'étais à côté de Flonflon. Bah après, c'est possible que ce soit Kalen qui, même s'il m'a dit où était la balle, déjà c'est une façon de se faire. Et de l'autre... Il a un peu peur de mon fusil. Moi, tu vois. Je n'ose plus répondre à des gens. C'est un coche. Genre, j'entends des flonflons et j'étais en mode, je vais pas répondre parce qu'à tout moment, je sais pas qui. Mettre une balle dans Bitel, objectif. Ouais, genre. T'avais peur de refaire un clip, quoi. C'est ça. J'arrête de parler tout seul, ça m'a saoulé.
Non, non, okay. En fait, moi, la seule chose que j'ai vu, c'est le loup-garou au loin. J'étais avec Wingo, effectivement. Et donc, j'ai vu juste le loup-garou au loin. Et donc, j'ai direct pris la potion. C'est tout ce que j'ai fait. Okay. C'est village mais... principal. Okay. Il a fait quoi, le loup, du coup? Et il fonçait vers moi. Moi, j'ai juste vu ça, en fait. Le truc. Et le jour s'est levé. Voilà. Ah, bah, si le jour s'est levé, alors. Mais attends, il fonçait vers toi, mais il est complètement con parce que tu peux pas tuer. On est d'accord que quand t'es immense, t'es safe. Oui, mais non, mais il fonçait vers moi. Que ça dépasse. Je l'ai vu au loin. Et en fait, j'ai pris la potion parce que, comme j'ai vu sur la game d'avant que quand tu prenais la potion de géant, bah, le loup pouvait pas te tuer. Tu es gnoc. Bah, c'était pour me protéger, quoi, au cas où. Ok, d'accord. Tu as raison. J'ai deux personnes que je peux safe, mais je pense que je vais garder les noms parce que ça va être intéressant pour la suite de l'aventure. Et pourquoi tu peux les safe? Et du coup, là, on vote personne, là? On a vu qu'un loup, non? Moi, je skip, j'ai pas d'idée. Ouais, c'est compliqué, moi, j'ai pas compris l'info. Ça me perd, hein. On a vu qu'un seul loup. C'est pour ça que je garde cette info. Mais bah donc, du coup, tu peux safe personne. On se sait, et du coup, on va pas se faire tuer. We know. Après, si tu l'as, tu viens de le dire, Vitel. We know. Yeah. We know. Mais après, voilà, bon, bref. Mais il y a une autre personne, et elle dira pas, c'est moi. We know. Je comprends pas votre discussion là, c'est quoi We Know? Non, mais c'est un pacte. Genre We Know What, We Know What. C'est un pacte encore avec les loups. We know it. C'est trop, trop louche. Genre Onutrem, trop louche. Beetle, trop louche. Premier degré, tous les gens sont louches. qu'est-ce que je disais moi? Mais pourquoi il dit oui, il y a au moins deux personnes qui sont safe? Genre trop bizarre. Évidemment, ma balle n'est plus là. Il va falloir que j'aille ailleurs. Je vais essayer d'en trouver une autre. En forêt? On tente d'aller en forêt? Il n'y a personne ici. Dans le moulin? Ou je prends le zap pour voir? Ah, oh! Un piège. Non, on fait pas le tour de ça. Comment on le met? Allô? Non. Allô? E? M'entends? C. R. Allô? Merde! Oh, c'est. C'est... Mais non, mais c'est le tien, non? Ah oui! Oui, mais, non, mais c'est la première fois que j'en mets un. Je suis pas très bien visé. Bah, maison 1 devant le portail, là, comme ça personne peut le prendre. J'en mets un devant et derrière le portail. Magnifique. Devant et derrière. En fait. Oh non! Hein? Salut. Oh non. Une potion. Ah oh, putain. Ah, t'as semé sous mes pieds. Oh non, c'est trop louche, il a utilisé le... Il a consommé la TP du coup. Pourquoi il aurait fait ça? Oui, je vois le chat, t'inquiète Ellie, je vois le chat. Mais par défaut, ça se met vraiment sous mes pieds, donc faut pas que je marche dessus comme une teubée. Bon, je l'ai pas bien placé du tout, du coup. Bon, c'était histoire de tester. Hein. Personne fait son taf. Alors qu'on pourrait gagner comme ça. Moi, je veux... Les jeux vidéo, c'est fun quand on gagne. Alors... Ouais, elle parle plus. Quel coche! Oh la vache! Oh, c'est... oh quel coche! Let's go! Oh la vache! 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 Vous avez dit que Vitel était trop louche! Tous les gens, j'ai encore du sang sur les doigts! Comment ça, j'étais trop louche? Ah, mais si, en fait, je l'avais un peu la rancune de la game d'avant et j'étais dit, il faut une balle dans Vitel. Bah, j'aurais dû. Mais je t'ai pas croisé. Voilà. Dans le jeu, hein, dans le jeu Twitch. Hein. Oui, attention, oui, dans hein. Le jeu. Ouais, tout va bien. Ouais, tout dans bien. Le jeu. GG à eux. Non, mais jamais aimé pour ce jeu. T'avais jamais aimé pour ce jeu. T'étais suspect dans la façon de parler au début. Non, faut parler d'une chose quand même. Il s'est passé un fait de jeu extraordinaire. J'imagine, parce que tout le monde est mort. Je suis donc Lou en plein milieu du village principal. Et là, Onu se téléporte devant moi, je le bouffe. Ouais,
j'ai enquêté, mais je me suis dit, je pouvais peut-être mettre un joug, je ferme la porte et derrière je me fais TP et tout le temps que t'ouvres, mais. Mais ça, c'est ça, c'est les 50% des loups, ça. Sans les 50%. On a eu un timing de fou, Bitel, hein, parce que moi j'étais avec Flonflon, j'essayais pas. Enfin, tu vois, je voyais qu'avec Flonflon, je savais pas trop, j'étais en mode viens et tout. Et en fait, le fait qu'il y ait le bruit du loup, je vais me cacher dans le moulin. Même game, hein, Flonflon, bah c'est normal, tu me suis, j'aurais fait pareil à ta place. Sauf que du coup, je me mets devant la porte, je me transforme, je le tue. Ah ouais, non, c'est horrible. Et après, derrière, il y avait Lutti et tout. En plus, il était trop parano, il était trop chou. Et par contre, on n'est jamais tombé sur la potion de paranoïa depuis le début qu'on joue là. C'est vrai qu'elle a pas trop été là, mais. Bah maintenant tu l'as invoqué, elle va arriver je pense. Oh, qu'elle va arriver, c'est quand même que j'ai dit, moi, j'ai dit devant Ponce, moi je suis safe, j'ai une potion de célérité, j'ai bu la potion, il m'a one shot. Oui. Ah ouais ouais. Oh là là. En plus je commence... parce qu'au début je commençais à dire qui était la fille. Non mais Ponce il a changé. Mais c'est que tout le monde me posait la question un peu. Moi vas-y dis-moi. Vas-y ouais. Ah, je veux pas savoir. Bah non. Mais vas-y. Vous voulez qu'on ajoute un peu de chaos. On peut rajouter un. Une quatrième effet de potion dans la game. En gros, il n'y a pas trois no effets mécaniques. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. C'est vrai que j'ai été. Là, sur la session, je suis vraiment une immense merde. C'est très grave. Hein. Pourquoi vraiment, je trahis tout le monde. Non, mais dans le sens. C'est le jeu. Les masques de zombies. Personne ne t'entendra jamais. On t'entendra. Non, mais pour moi, j'ai une confiance, même IRL et tout. Ne me faites plus confiance. Bon. Voilà, c'est ça. Non, mais t'inquiète, pas de confiance. Je comprends, franchement, je comprends. Je déteste tout. C'est déjà le cas. Ouais, non, mais là, je comprends. Là, je comprends vraiment. Déteste tout. Vous avez quand même remarqué que. Oh non, je vais pas pouvoir tester. Je suis plus chasseuse. L'abus. Donc j'avais. Vas-y. Non, mais. T'es chasseur, tu peux me tuer. Vas-y. Non, mais j'ai. Vas-y. C'était la game d'avant, j'ai plus mon fusil maintenant. Ouais, j'étais vraiment chasseur. Et j'étais en mode, oh, il est trop. Franchement, s'il est un peu suspect, vu ce qu'il m'a fait la game d'avant, et tout, bim. Ça part. Et puis, tu vois, si j'avais pu, en vrai, ben. Eh, la vie de ma mère, la TP, c'est trop bizarre. Je vois Ponce popper comme ça. Le truc avec. Ah, mais viens de repartir du coup. C'est trop dur d'avoir des conversations avec ces gens-là. Ça a bien marché, donc. Ouais, c'est des gens qui sont pressés, tu je sais. Bien aimé. Qu'est-ce que vous dites? Oh. Ok, d'accord, on passe super. Il est pas là. C'est le moment où on fait une chanson, Lutti Lutti. Ah, ok, on fait une chanson. Qui est perdu dans ses pensées. Vous m'entendez là? Oui. Allô? On fait une chanson pour vous deux. Oh oui. Ah. Vous entendez la musique ou pas trop dans oui, le fond? Oui. Tu paries combien qu'il est loup-garou et qu'il va nous grailler là? Non, je suis pas loup-garou, c'est promis. La game d'avant, Naomi possédait de quoi shooter. Son ami Bitel qu'elle sentait un tout petit peu bien mauvais. Elle ne savait pas si il était un loup-garou. Elle a hésité, elle l'a jamais trouvé et quoi devenu ah fou. Toutes les games c'est compliqué, il y a Bitel qui a triché. Il y a Anae qui est juste là, cette fois-ci. Ah. Il retourne. Oh, ma chanson. Ah non, mais c'est pas bon cette fois. Oh non, il y a Lutti qui me faisait une chanson. C'est bon. Il est de retour et tout le monde est là. On est tellement oui paqué. Mes pompons se retéléportent par là. Il y en a Naomi qui est de retour mais qui s'en va. Je ne comprends pas à quel moment tu te téléporteras. On n'a toujours pas trouvé. Tous les autres personnes sont dans le village des pêcheurs en train de faire une musique, genre lui qui chante. Mais oui, mais c'est une chanson pour moi et je me téléporte. Mais peut s'arrêter de chanter. Il y a peut-être trop de potions, non? Bah, je sais pas, il y en a beaucoup là. Bougez pas, il y a un loup là. Quoi ici, bougez pas. Mais quoi? Ouais, bah, lui aussi, c'est un fou furieux. Mais il m'a fait battre de ouf. C'est bon. Mais il m'a fait battre de ouf. Bah oui, mais attends, comme il n'y a pas eu de mort, je peux poser une question. Est-ce que Lutti était en train de chanter une chanson à Naomi ou pas? Oui. À Nao, à oui, à Bitel. Oh là 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 là. Je sais pas, elle a TP, elle a dit oh non, ma chanson. Elle a TP dans l'autre sens. J'ai deviné ce qui se passait et je voulais savoir si j'avais eu juste ou pas, tu vois. Oui, chanter à Bitel et Nao parce que Bitel a dit à Nao de le tuer en mode vas-y, venge-toi si tu veux. Et Nao lui a dit mais j'ai plus de fusil. Et du coup, j'ai fait une chanson. Voilà. Ok. Et après, il y avait Ponce qui apparaissait de temps en temps. Je lui ai dit un truc super important. Il est parti juste avant que je lui dise. Bah oui, mais je t'avais dit que j'allais me TP. Quand tu m'as dit j'ai un truc important à dire, je me suis dit qu'il ne le dira jamais. Tuer, hein. Bon, les go, passez.
Moi j'avoue. Oui, c'est un passé de toute façon. Ouais. Oh, allez, go, oui, passer carrément, vraiment rien à foutre de la game. Allez. C'est bon, allez, on passe. Bah, y a pas eu grand chose. Moi, à part des gens qui étaient partout et Lucie qui fait un concert privé. Mais c'était trop bien les concerts privés. C'est bleu pour la téléportation. Oui, c'est bleu. Ah, c'est ne bleu. Prends pas du bleu, sauf si tu veux ne pas entendre les gens. Rouge, c'est célérité. Rouge, c'est rassasié et jaune, c'est célérité. Mais c'est que des bons effets alors. Je croyais qu'il y avait des effets nice pourquoi dans les potions. Ça, qu'est-ce que tu racontes? Bah, la téléportation, c'est pas vraiment bien quoi. Ah, c'est considéré comme étant l'effet nul. Ouais, ouais, bah oui, téléportation, tu peux te téléporter sur le loup donc. Ah, ouais. Oui, vu comme ça, c'est pas faux. Et c'est quoi la dernière couleur? Vert, c'est quoi? Je sais pas. Ah, tu sais pas, ok, ok, ok. Ah non, je suis pas alchimiste, hein. Ah, ok, ok. Je peux dire ça parce que j'ai expérimenté. Ah, je me pète dessus. Ah bon, bah voilà. Vert, c'est le P, ouais, c'est ça? Ouais, ouais, bah ouais, super. J'ai téléportation, c'est bleu. Ah, ok. Je le sais d'expérience, quoi. Le truc. Du coup, quelqu'un s'est transformé la nuit d'avant, je pense pas, hein. Oh, je vais marcher sur la plage devant ce petit soleil couchant. Rentrer seule à une heure aussi tardive le soir, c'est peut-être un peu dangereux. J'ai envie d'aller dans un mirador. Bon, d'accord. Très bien. J'ai croisé la route de Ponce. En même temps, il avait call, hein. Il avait dit ne me faites pas confiance. Il avait dit ça. Ouais, j'ai cru qu'il nous avait pas vu aussi. J'avais bon espoir de faire la fougère et qu'on... Voilà, mais non. En vrai, il a tué pas mal de personnes, hein. Fut une Ah, il s'est changé. Ah putain. Oh. Ah putain, oh putain. Ah ouais, Flonflon s'est fait buter, il était alchi. Ah, puis c'est qui était alchi? Bah peut-être Flonflon, je crois. Bah de toute façon, ouais, on sait que bleu c'est TP. Attends, il a dit quoi? Venu bleu c'est TP. Ouais. Moi j'ai venu trem ce TP, ouais. J'ai vu Rouge, trem à la sortie du Ouais, je me suis TP parce que le loup était juste derrière moi, hein, donc Et j'ai vu le loup sur Je pense que ce sera la dernière game pour moi parce que je vais devoir aller chercher le PC après. Anna et Del dans la forêt de loin. Bon, là je suis mort donc. En fait, je veux dire ce qui s'est passé, j'étais au village principal, le loup il est rentré dans l'église, il a fumé Flonflon et il m'a vu, il m'a repéré, je savais que le portail était allumé, j'ai foncé vers le portail. Et il est reparti dans le village après. Il y a pas un monde où t'es le mate attendez, du attendez, loup et t'as fait genre et t'es parti. Et ils ont aussi fumé Callum et Naomi du coup. Mais attendez, ça serait quand même incroyable. Ah ben non. À la fin, il y avait Tsuna, Onu et moi au village pêcheur. Ouais, tout à fait. Ça je peux confirmer. Et il y avait Anaï qui était au niveau de la colline. Donc ça veut dire que là faut. Moi j'étais foré. J'ai eu assez peu d'interaction. Moi j'étais foré ruine. Avec les gens j'ai trouvé aujourd'hui dans le sens où. Ah si l'armée avec la chanson de Lutti mais. Ah ben mec j'étais. Ah bah j'étais ruine à la fin de la nuit, mec, purement et simplement. Genre bah, je suis passé alors, du... Hein. Parce que t'étais pas loin d'Anna et Vitel mec, du coup, parce que vous étiez quel côté? On est resté là tout le long, vraiment. Et on ah non mais moi aussi réfléchir. Vraiment, en fait, c'est forcément, Vitel. C'est forcément les deux loups qu'on a face à nous, puisque c'est bah, les seuls qu'on a pas vu. Mais c'est les seuls qu'on a pas vu. Moi je pense... Ah et qu'ils sont détransformés à la fin. Je vais me safe. Moi je pense honnêtement que c'est pas moi le deuxième, mais que c'est Ponce et quelqu'un d'autre. Je viserais plutôt sur quelqu'un de fort et a priori potentiellement ONU parce que le dans côté la masterclass de que je ferais dans voilà. Mais surtout en fait, j'ai flatulence et à cause de ça, j'ai pété toute la nuit et du coup, c'est pour ça que j'ai joué solo et j'ai fini dans un mirador seul. Donc personne peut me save. Et c'est quelle mais couleur c'est parce que flatulence je pétais que j'ai pas voulu. Flatulence, c'était la couleur verte. Parce que okay. Bleu, apparemment, c'est téléportation, verte, c'est flatulence. Parce que dans ce cas-là, c'est bizarre ce que tu dis aussi, Bitel, parce que moi, j'étais vraiment ruine. Je te promets que je suis ruine. Je suis passé du tu sais, le village là-bas, là, je sais plus, désolé. Alors, je suis désolé, mais quel est le rapport avec ce que vient de dire Lutti? Non, aucun, mais je rebondis vu que tu m'attaques. Non, aucun. Mais du coup, en gros, moi, je suis passé de village pêcheur. Moi, je suis passé de village pêcheur où je commençais à entendre le bruit du loup et j'ai tracé vers ruine forêt où j'ai plus rien entendu. Et j'étais un groupe de Moi, je mets une gommette sur les gens. C'est encore plus dur maintenant qu'avant.
Anaï, t'as vu quoi? Moi je pétais, mais on a pas vu. Juste avec Vitel, on a rien vu. On n'a pas vu, je pense. Bah ouais, mais je vois pas en quoi moi ça. Dans ce cas-là, vous êtes tout aussi suspect. Ah oui, parce que là ils sont. Parce que. Pourquoi je reste en... Ouais, c'est dur de mentir, c'est dur de tuer les gens maintenant quand t'es loup, parce que les pièges, parce qu'à tout je moment suis, tu ils vois, prennent... Je suis encore ruine, je suis toujours ruine. Une potion... Je suis ruine forée en perma. Regarde, je suis tellement, ruine perma que je reviens de la ruine, voilà. Voilà. Je suis ruine perma. Faut que tu cours, Tsuna, si t'es pas méchante. Alors... Vous... De quoi? Pourquoi tu dis faux? Tu cours? Parce que je suis sûr que c'est toi, et je sais pas pour qui c'est le deuxième. Bah Onu qui est en train de chase Tsuna en fait. Ah, ou alors ça veut dire que Bitel et Anaï nous mettraient la douille absolue, mais je pense pas, je les ai vus sauter comme des débiles à la fin de la partie, ils avaient l'air d'être... Mais mec, je te jure c'est pas moi, si tu veux, vraiment une enfin ça peut rien dire, on passe la nuit ensemble. Mais attends, je te jure c'est pas moi, viens on fait un pacte aussi si tu veux. Non mais ça c'est le jeu, tu veux qu'on fasse un pacte? On fait un pacte? Bah si on fait un pacte ça veut dire que t'es loup. Mais bon, a priori, il est pas avec toi, je sais que c'est... Bah non, ça veut dire que c'est toi, du coup. Bon, ça, c'est moi. Bah non, mais on fait un pacte. C'est moi qui fais un pacte avec le loup. Ça, c'est TP, hein. Ça, bah t'es con. Il va revenir. En vrai, il va revenir. Cherche Tsuna. Il pep. Quoi? Ah. Est-ce que tu vas faire comme je pense? Usez ça. Usez ça. Ah. Oh. Oh. T'inquiète. T'inquiète. Ah! À l'aide! Derrière moi! Derrière moi! Derrière moi, village principal! Devant moi, devant toi, tu veux dire! Village principal! À quel point ils ont fait un massacre! À quel point ils ont fait un massacre! Je me suis caché derrière le cadavre du terrible. Chasseur, moi! C'est terrible! C'est terrible! Non! Oui. Vous ne m'écoutez pas. Ouais, comme je pense que je caché, mais j'étais. J'ai, ah ouais. Non, mais Wingo. Je suis arrivée. En plus, Wingo. Je t'ai dit, c'est sûr que c'est lui. Tue-le. Et j'ai dû me tromper dans les pseudos. J'ai échangé. Et tu l'as pas tué. Mais parce qu'il m'a suivi partout en faisant moi. Ah, il m'a collé dans toute la forêt. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est rien. Mais si tu m'avais écouté, on aurait gagné. Ce qui est triste, en fait, ce qui est triste, c'est que moi, du coup, j'avais deux balles. Donc, en fait, ONU est censé mourir. Mais j'ai un livre qui a spawn avec la nuit juste à côté de la balle et du coup j'ai loot le livre et pas la balle et ça m'a fait perdre le timing. Mais attendez, Vitel, quand tu t'es fait tuer, le loup il était pas rouge? Non. Non. Ok. Mais moi j'ai tellement pas de chance parce qu'en gros j'ai pris une potion de TP devant Ponce et je te jure que j'allais me re-téléporter au moment où il m'a tué. Genre, je suis intimement persuadé qu'à une seconde près je suis TP ailleurs. Aïe. Heureusement que tu l'as tué, heureusement que t'as tué l'outil parce que j'ai été tué les trois autres. Onu, tu m'as pas vu du tout, non? Ouais, tu m'as Onu, c'est toi qui as tué barré, et après je t'ai perdu de vue. Toi qui m'as tué, j'ai TP derrière toi, Onu, et j'allais re-téléporter au moment où tu m'as tué. Ah oui, putain. Tu m'as pas du tout vu à la fin. Non. Ce qui m'a juré que non, hein. Tu sais comment j'ai fait pour me cacher ou pas? Tu sais comment j'ai fait pour me cacher? Parce que vraiment t'étais en face de moi. J'ai fait le tour de la maison en slow et je me suis remis derrière. En fait je me suis mis derrière le cadavre du chasseur. Joué. Je me suis dit que t'allais jamais retourner là où t'avais déjà tué tout le monde. Je suis rentré dans la maison c'est direct. C'est malin, c'est malin. Ah ouais. Putain, j'ai tellement cru que t'allais me tuer. Ouais, bien joué. GG. Je me suis pas transformé l'outil la dernière fois. Mute, pardon. Ouais, ouais. Alors ce qui est marrant en plus c'est qu'à un moment donné avec Ponce on s'est retrouvé à côté. Je lui ai dit viens on va dans le Mirador. On a été discuté, je lui ai dit alors je vais tuer une personne là, je vais prendre le TP qui est juste là, je vais me safe. Ah, il m'a tout dit, du coup, il a fait ce qu'il a dit. Ouais. C'était parfait. Hein, c'était parfait. C'était et par contre, Bitel, je te jure que j'étais ruine la nuit en question. Où je te disais que j'étais ruine. Que Bitel dit des bêtises. Vie, moi, je ne. Mais, non, vous étiez juste un peu décalé. Je ne comprends pas comment c'est possible qu'on ne t'ait pas vu. En fait, après, les ruines, c'est grand.
Bah ouais. Vous avez jamais avancé dans le même sens, et ce qui fait que du coup, Vitel et Anaï étaient côté rive alors que toi t'étais vraiment côté ruine. Ah non, 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 on n'était pas côté rive au début, hein. Pas du tout. Hein. Bah, ah non, au début, moi j'étais pas là, pas du tout. C'est à la fin, moi au début j'étais pas là, c'est vrai. Au début j'étais pas là. Mais du coup, c'est logique. Non, mais pas du tout. En fait, parce que du coup, t'as littéralement dit j'étais là toute la game, toute la nuit. Non, non. Ah, t'as dit toute la nuit. Il a dit qu'il avait fini là. Je crois pas. Non, j'ai dit que j'étais village pêcheur et que j'ai slide dessus. Ouais. Ouais, c'est très grave. Et pour le coup, c'est pour début, le coup. Oui, c'est des détails. Au début, t'as dit je suis resté ruiné. Okay. Okay. Et en fait, du coup, j'étais en mode bah, ce n'est pas possible. C'est pour ça que j'ai réagi comme ça. C'est que vraiment, j'étais en mode bah, non, c'est mort. Donc, du coup, je suis pas mal. T'étais bien. Ah, mais alors, personne n'a capté que j'ai sorti un mytho qui n'a pas fonctionné vu que j'ai dit toute la nuit je suis là. Et puis après, j'ai dit alors, en fait, moi j'ai commencé, j'étais là, puis j'ai terminé. Du coup, j'ai dit de la merde. Moi, dans ma tête, t'avais dit que t'étais là-bas à la fin, quoi. C'est ce que j'ai dit à la fin parce que c'était vrai. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'ai le temps pour une dernière game, je pense. Game, je vous propose de relancer. Ouais. Après moi, ce sera la dernière. Putain, j'étais énormément lourd. Donc je disais, je pense que ce sera la dernière game. Après, il faudra que j'aille chercher l'enfant. C'est ce que j'essayais de dire, mais c'est marrant. On parle, on dit des trucs de merde, et quand il s'agit de dire des trucs importants, c'est là où la game se lance. Je sais pas c'est quoi les potions par hasard. Je sais pas quelles sont les potions. Hop là, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a une petite poire ici, viens. Attends. Regardez cette maison. Où ça? À droite, quand tu rentres derrière là. Il y a même un petit fromage pour une raclette en vrai. Je vais tester une potion, t'es prête? Ouais. Pour la c'est nuit, une... quelle couleur pour la nuit. C'est bleu. Ok. Alors. Attention. Je suis très attentive. Attends, mais à chaque fois que j'appuie sur le bouton, j'appuie sur le bouton. Oh, audition. Oh, cool. Je suis très contente de la potion audition pour t'entendre chanter depuis l'hiver. Ah merde, oh le coche. Alors, si jamais. Je vous assure, la biglerie est permise. Hein. J'ai pas parlé de poireaux à Anaï. Très drôle, très drôle. Forcément. La nuit là. Ah, j'ai envie de dire un truc. Chez! Essayez de nous assassiner. Pardon, s'il est mort, ça m'a fait plaisir. Ouais, un petit peu, chez. Ouais, un petit peu. Je participe au chez, je vote chez. Alors, l'ambiance est délétère. Tu t'es mis à balancer des pièges sur nous dans le Mirador à la fin de la nuit. C'est pas moi qui ai balancé un piège. C'est moi qui ai chié le piège. Ah, okay. Voilà, il y avait un peu. On peut faire ça? C'est le loup, il a essayé de nous tuer en être humain, le clutch. Voilà. Ah, j'avoue que c'est un peu chiffre le coup. Mais faire quoi, Nao? Ça tombe de jeter des pièges du haut du Mirador? Ah non, tu peux pas les jeter. Il les met sous, tu les mets sous toi-même, sous mais pieds, comme forcément. C'est un tout petit endroit, je pense qu'il s'est dit, ça se trouve, il va pouvoir peut-être buter quelqu'un comme ça. En fait, ce qui est très marrant, c'est qu'Hélène a pris une potion de paranoïa, et en fait, on est tous arrivés dans son mirador, et du coup, il y avait vraiment 4 loups avec de lui, enfin, dans sa POV, quoi. T'as dû être un peu le fou. Ouais, 4 ou 5, ouais, j'étais pas bien, ouais. Mais 4 ou 5, j'étais bien. Ouais, j'étais serein. Bon, messieurs dames. T'avais l'air vraiment bien. Je vais vous raconter une histoire, j'ai vu des choses cette nuit. Tu sais pourquoi Ponce est mort? Malheureusement, il s'agit d'une transformation de Naomé. Malheureusement. Je sais pas pourquoi, j'avais bon espoir qu'on soit encore sur les poireaux, mais... Je me suis posé la question, mais...
Tu m'as pas parlé de poireaux. Non, c'est vrai, c'est vrai. Malheureusement, la défense ne me suffit pas. Tu m'as pas parlé de poireaux. Donc ça, ouais, c'est malheureusement, les poireaux ne sont pas présents. Je pense qu'elle a dit vrai parce qu'elle m'a rejoint à un moment donné. Elle aurait pu me tuer, on était que tous les deux. Et If nos poireaux, zen le garou, aucun sens. C'est top. Ah, ok. Pardon, j'ai mal aim, je voulais voter Nao, mais il y avait Bitek qui était à côté. Bizarre ça. Ouais, mais Bitek, j'ai mis un peu sus. Lutti qui aim mal. Non, arrêtez. Non, mais c'est l'édit. On n'a pas parlé ici toutes les games à chaque fois. C'est ma safe place. En fait, c'est que je suis nulle. Bon, là. La réalité, c'est que je suis la jeune, c'est paranoïa. Audition, la jeune, c'est paranoïa. Okay, la verte, c'est invisible. Invisible, la verte. Bien la verte. Bien la verte. Pire loup du monde. J'espère qu'il y a une verte ici. Je trouve une potion verte. Oh, désolé, Ponce. Stock est pas mûr. Hein. Ça va, je suis plus jeune que toi. Comment ça, je suis pas mûr? Bah, si t'as raison. Non, il n'entend pas. C'est vrai. Ouais, ma dernière game est assez rapide du coup. Voilà. Non. Du coup, c'est nul aussi. Ah, c'est rigolo, je sais pas comment il va faire quoi. Après, j'ai fait un kill, hein, ouais, voilà, j'essayais. Moi, j'aime bien les étoiles de mer. En vrai, t'es loup-garou, tu te changes pas tout de suite. Les gens partent dans tous les sens. Maintenant, en plus, ils peuvent se TP. Donc, en fait, bah, c'est my bad. J'aurais vraiment dû me changer en étant plus discrète. Comme quoi. Hein. Oui. Vraiment, la méta, c'est d'aller se planquer pour se changer et pas se changer au milieu de tout quoi. Pas dire. Non mais t'as compris. Je dis ça parce que ouais, la prochaine comme fois. Comme d'hab, à chaque fois il y a des. Il y a encore du level up possible. On sait pas quoi en faire parce qu'on n'a pas le chasseur qui est à côté de nous, donc ça peut être cool de le trouver. C'est quoi, ouais. Potion bleue. Audition. Potion bleue, c'est audition. Ok, ok, pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Okay. Oh, audition, c'est mieux invisible, mais beaucoup moins loin qu'avant. Bah lui, il se change devant les autres aussi. Ah, tu vois, donc c'est grillé. C'est absolument grillé là. Ils l'ont tous les deux vu. Ils ont vu, ils savent que c'est Ringo. Ils l'ont vu changer. Bah, c'est foutu. En vrai. Ouais, la transfo prend du temps, mais ça on le sait. Mais bon, au final, bah, tu peux pas trop te changer devant les gens parce que si tu tues pas tout le monde, t'es baisé. Et là, il entend que ça monte dans le mirador. Il fait pas mal de kills quand même, hein. Ça prend du temps aussi de monter, descendre cette échelle là. Oh là. Oula, ah oui, oula. Je me demande qui c'est. Ah non, c'est trop chiant. Attends. Parce que là c'est okay, du pour un. Non, mais attendez. Attendez, bah, il y a pas pourquoi tout le monde saute sur Wingo. Ben ouais. J'avoue, je sais pas trop pourquoi. Alors, parce qu'on était trois, en fait il y avait Kalen et moi et Wingo. Et je mets Wingo derrière, pas parce que je suis pas sympa, mais parce que c'est un loup-garou qui fait partie d'une espèce différente de la nôtre et on est assez raciste chez nous dans le village. Et du coup, dans le jeu seulement, hein, dans le jeu. Parce que... Oui, c'est dans le jeu. Oui. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est transporté à côté de moi et à côté de Kalen, sauf que le TP s'est ouvert. Du coup, j'ai couru toutes mes forces jusqu'au TP et après, c'est dans le rouge, donc j'avais plus de vie et donc j'ai marché. Et à la fin, j'ai raconté mon histoire à Bitel, Onutrem, à Nae. C'est pour ça que Bitel a voté. Mais après, il est arrivé avec un TP l'opposé. Ça peut être un peu facile quand même comme histoire parce que du coup il très bien avoir tué en vrai il aurait pu l'avoir tué ce transfo passer dans le truc et vous raconter ça pris son TP et être venu vous voir en mode c'est lui c'est vrai mais je ne serais pas à l'Arctique de la mort si j'étais loup-garou et là je pouvais vraiment même plus courir parce que je suis dans rouge. Ah c'est mais on n'a pas fait le test. Non pas vraiment. Il faudrait lui mettre un trap dessus pour savoir s'il en meurt en fait. Ah, bah là c'est je meurs, c'est à dire que je possède un point de vie. Après vous étiez et tous les en fait, ils sont tous revenus sur le lieu du crime à la fin. À la fin, ils sont tous revenus sur le lieu du crime où t'as tué Kalen. Ouais, après, on sait pas quoi. Ok, où j'ai tué Kalen. Mais bon, peut-être. Après, si c'est Lutti qui est loup, masterclass. Ah, j'ai été beaucoup loup. Si Lutti qui est loup, vous avez juste à vous cacher et il faut que j'en tue deux sur les trois, sinon je perds aussi. C'est vrai. Finalement, il n'y a pas eu une seule victoire aujourd'hui à la ressource. Un poil trop gros. Ouais, je pense aussi. Ouais. T'as tué quelqu'un devant moi et tu m'as laissé partir. En tout cas, c'est dur. Pas mal, pas mal.
Incroyable, incroyable. Ah, je me permets avant que vous débattiez, ONU, j'ai un petit truc à te demander. Est-ce que c'est possible de... moi, en fait, moi, j'ai un problème. Je vois pas les nuances de couleurs. J'ai du mal. Et du coup, vert et jaune, je vois pas la différence entre le vert et le jaune sur les potions. Donc du coup, j'ai dû demander à mon chat si c'était vert ou jaune en fait la potion à chaque fois. Ah oui, voilà. Eh bien, il pourrait y avoir une forme qui va potions, avec. J'avoue. Je préfère t'en parler. On va retirer la potion jaune. Hein. Non mais pas forcément. Trois. Tu mets des lettres. Tu mets des lettres. Tu mets un J sur la jaune. Tu mets un V sur la verte. Sur la verte. C'est pas aussi simple que ça. Je pourrais le faire, mais ça demanderait de modéliser. Et tu peux pas faire des. Tu peux pas faire des pots de formes différentes non plus. Une ronde, une carré, une triangle. C'est pareil, ça demande modélisation. Je peux aussi. Peut-être avoir, je crois que j'ai plusieurs modèles qui traînent, donc c'est pas impossible ça. Ou à terme un modèle. Ouais, mais du coup, oui, mais du coup, en fait, ça veut dire qu'on saurait. Ah non, parce que c'est randomisé. Non, c'est le même délire. Bah ouais, c'est ça, ce sera la même chose. Ce serait juste la potion jaune, elle sera dans une forme spéciale, la potion bleue dans une autre forme. Ça, c'est pas impossible par contre. C'est vrai ça. Okay. C'est vrai que pour les potions, ça gêne un peu là. Désolé, je voulais pas faire chier, mais c'est parce que j'y pense maintenant et je préfère te le dire. Pour les couleurs, t'as les chapeaux, c'est ça qui est cool. Pour les joueurs, t'as les chapeaux. Et c'est vrai que pour les potions, il n'y a pas. C'est vrai, non, mais totalement vrai, totalement vrai. Ou un mode d'alto, quoi, un truc un peu. Cette anecdote est vraie. Je suis mode d'alt. C'est vrai. C'est un mode d'alt. Non, mais c'est en vrai, c'est important l'accessibilité. Oui. C'est vrai. Réel, de plus en plus. Toujours en mettant des même si je vois pas les couleurs habituellement, mais bon là, c'est. À chaque fois que tu différencies, je vais devoir vous abandonner. Les chapeaux, tu Non, non. Ça... Hey, quand même. Au revoir, Nao. Oui, je vais chercher l'enfant. Au revoir, Nao. Bisous. Au revoir, mais oui, bisous. Bisous.